Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle aventure de la carte au trésor. Ce soir, nous sommes en région Auvergne-Rhône-Alpes pour vous emmener à la découverte de la Savoie et plus particulièrement de la vallée de la Maurienne. Et pour vous accueillir, je suis à Jarrier. Regardez devant la petite chapelle Saint-Roch, surnommée la Chapelle Rose, qui surplombe Saint-Jean-de-Maurienne. Dans quelques instants, deux nouveaux candidats vont se lancer dans la course à bord de leurs hélicos, le rouge et le bleu. Pour décrocher le trésor, ils devront résoudre des énigmes et retrouver la mythique Rose des Vents quelque part dans notre zone de jeu qui s'étend le long de la vallée de la Maurienne, entre le massif de la Vanoise au nord et le col du Galibier au sud, en passant par Saint-Jean-de-Maurienne, Modane et Bonneval-sur-Arc. Alors, perceront-ils les secrets de nos énigmes? En tout cas, voici ce qui les attend et ce qui vous attend ce soir. Nous partirons à la rencontre d'incroyables funambules. Dans des décors grandioses, ces amateurs de sensations fortes défient la loi de l'équilibre. Ensuite, nous passerons à table, à la découverte d'une célèbre recette locale à base de fromage, produit dans la région, qui fait la réputation de la Maurienne et même de tout le département de la Savoie. Enfin, nous nous intéresserons à une énergie verte, une ressource assez méconnue, mais qui a accompagné le développement de la vallée. Déjà exploitée depuis plus d'un siècle, elle semble inépuisable. Alors, la Rose des Vents sera-t-elle pour les bleus ou pour les rouges? La vallée de la Maurienne est donc notre terrain de jeu de ce soir. Merci d'être avec nous les amis et bienvenue dans la carte au trésor. Notre aventure va débuter ici, ce soir, à Albier-Montron. Nous sommes au pied des aiguilles d'Arves, qui sont l'emblème de la vallée de l'Arvan. Nos deux candidats s'appellent Charlotte et Najim. Juste avant de les accueillir, voici leur portrait. Je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans et j'habite à Blois, dans le Loir-et-Cher. Je travaille au service client d'un grand magasin de bricolage sur Blois. Je vis en couple depuis 3 ans et demi avec Julien. Ma passion, c'est évidemment le bricolage, la décoration et faire un peu de sport. Pour gagner la carte au trésor, je compte sur moi, sur ma logique et l'aide des habitants du coin. Candidat bleu, si tu m'entends, je te laisserai pas gagner, je suis vraiment prête. Je m'appelle Najim, j'ai 32 ans et j'habite à Montpellier, dans le département de l'Hérault. Je suis ingénieur chimiste dans un laboratoire pharmaceutique. Je partage ma vie avec Julie, nous n'avons pas d'enfants, mais par contre on a deux bons chats, Stark et Eleven. Mes passe-temps favoris sont le badminton, la course à pied et les quiz dans les cafés avec les amis. Je suis un compétiteur qui ne lâche rien et qui va laisser sa dernière goutte de sueur pour réussir. Candidate rouge, on va être compétiteur, mais à la fin, c'est moi que tu trouveras à l'arrivée. Charlotte et Najim, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue dans la carte au trésor et bienvenue à Albier-Montron. Nous sommes dans le département de la Savoie, dans cet endroit magnifique, en Maurienne, puisque ce sera votre terrain de jeu ce soir. Et regardez, pour lancer l'émission, le paysage sublime dans lequel je vous accueille. Vous allez en prendre plein les yeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous connaissez la Maurienne, l'un et l'autre, Charlotte? Pas du tout. C'est une première. Et l'hélico aussi, ce sera une première ce soir, je crois. Najim, toi? Également, double première, la Maurienne et l'hélico. Ce sera un joli baptême. Exactement. Charlotte, on va faire connaissance, tu viens du Loir-et-Cher. Oui. Tu travailles dans le bricolage, paraît-il. Donc tu es bricoleuse vraiment ou c'est que pour le boulot? Je suis bricoleuse et dans ma vie privée et au travail, donc du coup, c'est l'avantage. Je me suis laissé dire que tu étais mauvaise perdante. Un petit peu. Je préfère gagner, Cyril. C'est bien, le message est clair pour le voisin. Absolument. Déjà. Et si tu es là ce soir, c'est évidemment pour remporter les 5000 euros, mais qu'est-ce que tu en ferais? Ce serait pour aller voir ma sœur et mes nièces qui se trouvent au Canada. Donc peut-être un beau voyage pour retrouver la famille. À qui je fais un gros bisou d'ailleurs. Et toi, Najim, tu es montpelliérain? C'est exact. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieur chimiste dans un laboratoire pharmaceutique. Oh, donc une tête à mon avis. Une tête, je ne sais pas. Au boulot, peut-être qu'ils diront ça, mais dans l'émission, je ne sais pas. Et c'est ce qu'on va vérifier ce soir. Je vous rappelle les règles de la carte au trésor. Pour commencer, vous devrez résoudre 3 énigmes pour retrouver des capsules comme celle-ci. À l'intérieur de ces capsules se cachent des indices très précieux pour localiser la Rose des Vents. La Rose des Vents, je vous rappelle que c'est le graal de votre aventure, puisque celui de vous deux qui la trouvera en premier sera le grand gagnant ou la grande gagnante de ce soir et pourra tenter de décrocher les 5000 euros du trésor.
Quelques rappels importants. Interdiction d'utiliser un téléphone portable, internet ou un GPS. Pour vous aider, évidemment, vous aurez la carte de la zone de jeu pour savoir où vous allez pouvoir vous poser avec vos hélicos. Et puis le carnet de route qui est une mine d'or, une mine d'informations sur la région de la Maurienne. Les équipes, Charlotte, tu as la tête des rouges. Ce soir, tu vas courir avec Olivier qui est là, ton cadreur, avec Rodolphe, ton pilote, et Clément, ton ingénieur du son. Najim, toi, à la tête des bleus, tu vas courir avec Ludo qui est ici, avec JC, ton pilote, et ton ingénieur du son, c'est Andy. Alors comment vous vous sentez avant de découvrir cette première énigme, Charlotte ? Je suis au taquet, j'ai envie d'y aller. Et toi, Najim ? Un peu stressé, bien entendu, mais après la première victoire, ça ira mieux, je pense. Allez, la carte au trésor à la découverte de la vallée de la Maurienne, ça commence tout de suite. Voici la première énigme. Pour garder la ligne, Camille s'y colle. Et pour vous aider à trouver cette capsule, vous avez 7 photos indices. Charlotte, voici ton énigme et ton indice. Bonne chance à Merci toi. Cyril. Najim, voilà pour Merci toi. Cyril. Bonne chance à toi aussi. Merci beaucoup. Pour retrouver cette première capsule, les amis, vous avez 30 minutes. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Attention, 3, 2, 1, top chrono. C'est parti pour l'énigme. Allez-y. Salut, Ludo, t'es prêt ? Allez, c'est parti. Pendant qu'il se lance dans l'aventure, un mot sur ces aiguilles d'Arve. Elles culminent à plus de 3500 mètres d'altitude. Et regardez de gauche à droite, il y a la tête de chat, qui est magnifique, avec ses deux petites oreilles. Puis l'aiguille centrale et enfin l'aiguille méridionale. Atteindre des sommets et réaliser des exploits, c'est justement ce dont on va parler tout de suite dans cette première énigme. Vous avez déjà une idée ? Hashtag la carte au trésor. Salut Rodolphe. Salut, salut. Tu vas bien ? Enchantée, Charlotte. Salut les gars, salut JC, salut Angie. Salut Najim, bienvenue en Maurienne. Merci. Bon, t'es content d'être avec nous ? Totalement, et j'ai hâte de voler surtout. Bah, ça devrait pas tarder. T'es venu prendre l'air en Savoie ? Exactement. Du coup, tu vas être mon pilote pour toute cette aventure. Accompagné fidèlement de Clément et d'Olivier, parce que sinon on va pas y arriver. Je te remets ta carte et ton carnet de route. Merci beaucoup. Ce que je te propose, ouais, c'est qu'on décolle assez rapidement. D'accord. Dès que t'as une destination, tu me la donnes et on y va. Et bon, on fait comme ça, à super tout de suite. Super, bonne émission. Merci. Charlotte, tu peux me lire ton énigme, s'il te plaît ? Pour garder la ligne, Camille s'y colle. Et tu vois, j'ai ça comme indice. Va falloir ouvrir les yeux. Va falloir ouvrir les yeux, il y a des petits chalets. Eh ben écoute, Charlotte, on va décoller. Tu me donneras ta destination en vol ? Ça marche, je vais étudier la carte et puis le book. Allez. Et je te redis ça, Rodolphe, merci. Pour garder la ligne, Camille s'y colle. Colle, C-O-L. Donc là, tout de suite, ça me fait forcément penser à un col dans ce département de Savoie. Je vois qu'il y a le col, par exemple le col du télégraphe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de ligne. Donc ça me fait penser un peu à la ligne téléphonique. Ou alors à une ligne d'escalade ou d'alpinisme. Je vois qu'il y a quand même pas mal de cols. Col de la Croix de Fer, col d'Arvès, col du Mollard, col du télégraphe. Je serais bien tentée de rester du côté de là où on est, donc autour de Saint-Sorlin-d'Arves. Rodolphe, on va se diriger vers Saint-Sorlin-d'Arves, s'il te plaît. Là-bas, je pense que je vais pouvoir trouver de quoi m'informer sur Camille, qui doit garder la ligne. C'est parti. Je vois qu'à Valoir, il y a une piste de ski, en tout cas c'est une station de ski. Et sur ma photo indice que voici, je vois qu'il y a quelque chose qui ressemble à une piste de ski. Alors, encore un peu enneigé, mais ça me fait vraiment penser à cela. Chose intéressante également à Valoir, c'est que je vois qu'il y a une highline, donc cette corde qui est tendue entre deux pics, deux sommets. Et il y a un festival de highline à Valoir également. J'y sais, on va prendre la direction de Valoir et on va essayer de trouver ce fameux Camille, ou cette fameuse Camille. Eh bien, allons faire un petit tour à Valoir alors. Allez, allons faire un petit tour à Valoir. Et d'ailleurs, une nouveauté les amis, vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez jouer en même temps que nos candidats depuis votre canapé en flashant le QR code qui est ici. Vous allez obtenir la carte de jeu, exactement la même que nos candidats. Et alors vous, quelle destination vous prendriez pour cette première énigme ? Pour garder la ligne, Camille s'y colle, C-O-L. Évidemment, ça n'est pas une faute. Des cols mythiques, il y en a quelques-uns autour de nous, dans la vallée de la Maurienne. Il va donc falloir se rendre sur un col pour retrouver notre mystérieux Camille. Sur le col de cette photo indice, vous l'avez deviné. Et Camille, je peux vous le dire, il a une spécialité très impressionnante. Oui, mais laquelle ?
Charlotte pour Cyril. Oui Cyril. Comment se passe ce premier décollage en hélico? Bah écoute, ça se passe très très bien. J'ai l'impression, ouvre grand les yeux tout au long de la soirée surtout. Hein. Ouais. Parce qu'on va avoir un temps sublime pour cette carte au trésor, ici dans la vallée de la Maurienne. Alors, pour garder la ligne, Camille s'y colle. Je crois savoir que tu prends la destination de Saint-Sorlin-d'Arve. Tout à fait. Pourquoi tu vas là-bas? Ben, je vais là-bas parce que j'imagine que Camille doit être un ou une sportive. Et que pour garder la ligne, ça doit être quelqu'un qui fait peut-être du ski en haute montagne. Quel est le rapport entre le ski et garder la ligne? Peut-être parce qu'un sportif doit garder la ligne. Ah, il garde la ligne physiquement, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Il a un corps d'athlète. Il a un corps d'athlète. Et alors, tu as une photo indice où tu vois quoi dessus? Alors, sur cette photo, je vois quand même des montagnes, des petits chalets. Donc, je pense à plutôt une station de ski. Okay. Avec des petits chalets, peut-être des remontées mécaniques. J'ai pas les yeux assez fins pour ça, donc je vais aller me renseigner. Et qu'est-ce que tu penses de ton énigme qui nous dit Camille s'y colle? Alors Camille, évidemment, on peut pas savoir si c'est une fille ou un garçon, mais s'y colle, ça te fait penser à quoi? Eh ben, vu l'orthographe, c'est un jeu de mots, je pense, parce qu'on serait effectivement sur un col, dans un col. Et ce que je vois sur la carte, c'est qu'autour de Saint-Sorlin-d'Arve, il y a le col de la Croix de Fer, le col d'Arve. Il y a beaucoup de cols hein, dans le coin. Il y a beaucoup de cols d'ailleurs qui font la renommée des cyclistes du Tour de France. C'est ça. Il y a le Galibier, il y a le Télégraphe, il y en a plein d'autres. Oui, j'ai regardé sur le book, effectivement, il y a pas mal de destinations. Qui sont très en pente. En tout cas, n'oublie pas de bien montrer ta photo indice. Je l'emmènerai avec moi, Cyril. Merci. À tout à l'heure, Charlotte. À tout à l'heure. Et bon vol. Merci. On va se connecter avec Najim. Najim pour Cyril. Oui Cyril. Ça y est, l'hélicoptère bleu prend la direction de Valoir, je crois savoir. C'est exact Cyril. Pour garder la ligne, Camille s'y colle. Alors ton énigme d'abord, à quoi elle te fait penser? Tout de suite, quand j'ai vu Camille s'y colle, colle écrit C-O-L, forcément j'ai envie d'aller vers des cols, les cols de la Maurienne. Ça tombe bien, il y en a plein autour de nous. Oui, il y en a pas mal. Et surtout autour de Valoir, il y a le col du Télégraphe, la ligne téléphonique, ça peut être intéressant. Ah, ce serait peut-être un jeu de mots avec Télégraphe. Ah, ben on ne sait jamais. Mais alors pourquoi tu vas à Valoir plutôt qu'au fort du Télégraphe? Eh bien, je vais à Valoir plutôt parce qu'il y a déjà un point d'information. Et il y a un pictogramme de ski. Exactement. Ah. Et il y a cette photo indice qui me rappelle que je vais devoir aller vers une station de ski en premier lieu. Et ce serait qui, Camille, selon toi? Alors, Camille, déjà, est-ce que c'est un ou une Camille? C'est la grande question. Et c'est le problème des Camilles. C'est oui. Le même problème avec les Dominiques. Hein. Exactement. Et alors, ce Camille, il ferait quoi dans la vie, selon toi? Eh bien... C'est la grande question. Soit c'est quelqu'un qui est en charge de s'assurer que les lignes téléphoniques soient bien en marche. D'accord. Ou alors, Camille pourrait être un premier de lignée, en tout cas quelqu'un qui s'occupe des lignes d'escalade. Et pourquoi je pense à ça? Parce que également dans mon carnet de route à Valoir, ouais. Il y a un festival de Highline, donc cette ligne que l'on tend entre deux vallées. Écoute, j'ai l'impression que tu as plein de pistes et que tu dis qu'à Valoir, tu iras plus clair. Exactement, je vais commencer par là. Eh bien, fais un bon vol jusqu'à Valoir avec l'hélico bleu, je te suis. Super, merci Cyril. À tout à l'heure, Najim. À tout à l'heure. Il a raison, Najim. Les sommets qui bordent la vallée de la Maurienne sont un terrain de jeu idéal pour les fans de sensations fortes, de sport de glisse, d'escalade, mais aussi d'une discipline bien plus surprenante qu'on appelle la highline. C'est un sport d'équilibre qui consiste à jouer les funambules sur une sangle tendue à des dizaines de mètres du sol, comme entre deux sommets, par exemple. Eh bien, la highline, c'est bien la spécialité de Camille. En 2020, il a même réalisé un défi complètement fou avec son équipe, faire la traversée complète entre les aiguilles d'arbre. C'est-à-dire à plus de 3500 mètres d'altitude sur une sangle d'à peine 2 cm. Un véritable exploit. Mais alors, où est-il Camille en ce moment même? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est en train de s'entraîner ici même. Il va donc falloir découvrir de quel col il s'agit. Allez, on va retrouver les candidats qui sont en train de se poser pour la première fois de la soirée. C'est bon Olivier? C'est dingue. On va essayer de trouver une sortie. Vas-y, tu peux y aller. Allez, hey, go! Go, go, go! Hey, super, Ludo! Y'a personne? On va directement aller chercher de l'information auprès de ces messieurs! On va essayer de trouver un habitant! Oh. Bonjour, messieurs! C'est pour la carte au trésor! Najim pour la carte au trésor, vous allez bien? Didier, président de l'aéroclub ici, oui. Super! Alors voici mon énigme! Ah, vous m'aidez tout là! Regardez la ligne, Camille s'y colle! Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? C'est un peu compliqué là votre énigme. Hein. Est-ce que vous connaissez ce fameux Camille? Comme ça? Ce nom ne me dit rien. J'ai également une photo indice qui est celle-ci. Est-ce que ça vous fait penser à un endroit? Je ne sais pas, moi je pensais l'idée de
Qu'est-ce que de vous l'alpinisme ou de la highline, mais je ne sais pas si c'est ça. Je peux vous emmener à Valoir et vous... Allons-y, alors super monsieur, ouais. On prend la voiture? Allez, super, merci beaucoup. L'office du tourisme, je pense qu'ils seront à même de vous renseigner. Ah, mais allons, certes, inverse. Il y a une course contre ma candidate rouge, alors si on pouvait aller un peu plus vite, ce serait parfait. Vous dormez dans la seule station, il n'y a pas un rat. Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Je t'entends dire, il n'y a pas un rat. Ah non. C'est vrai que depuis les airs, il n'y a pas grand monde. C'est très joli, mais... S'il vous plaît, habitants de Saint-Sorin, sortez de chez vous. Venez m'aider. Tu peux aller sonner aux portes hein, s'il n'y a pas de voiture. Bah en fait, je pense, Cyril, que ce sont que des chalets de vacances, donc tous les volets sont fermés. Alors, il y a un office de tourisme, en tout cas, ouais, Saint-Sorin. Encore faut-il savoir où il est. J'y vais. S'il y a des voitures... Sinon, crie, il y a peut-être quelqu'un qui va sortir du chalet. S'il vous plaît. Au secours. À l'aide. Allez, à tout à l'heure. La photo, donc oui, où on voit une petite piste de ski un peu enneigée, ça vous fait penser à quelque chose ou pas du tout? Disons que ça, ça me fait penser à la vallée d'à côté. Quelle vallée ça serait, dites-moi? Du côté de Saint-Jean-d'Arve, il y a une altitude surface, ça ressemble un petit peu à ça, mais je peux pas... Du côté de Saint-Jean-d'Arve, vers le col du Mollard, col d'Arve, ce genre d'endroit? Oh là, vous me parlez de col, là je connais pas toutes les montagnes par leur prénom. Très bien, en tout cas Saint-Jean-d'Arve, c'est ça, voilà. Qui, ça vous fait penser à ça? Ça me fait penser à Saint-Jean-d'Arve. Très bien, bah, écoutez, c'est de l'information très intéressante. Est-ce qu'une fois arrivé à l'office de tourisme, vous pourrez m'y attendre? Comme oui, ça, si je dois retourner... Ah super. Oui, j'habite là. Ah, bah, c'est parfait, merci beaucoup Didier, merci. Oh, bonjour madame. Bonjour, je suis Charlotte de la carte au trésor, j'ai une énigme. Ah. Du coup, je vous la lis. Pour garder la ligne, Camille s'y colle. Et j'ai une photo. Regardez, ça va peut-être vous parler si vous êtes du coin. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, je peux pas vous aider. Est-ce que vous pouvez m'emmener à l'office de tourisme? Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Najim pour Cyril. Oui, Cyril. Alors, tu en es où à Valoir, Najim? Alors là, je suis en compagnie de Didier. Donc, vous êtes président du club d'avion de Valoir, c'est bien ça? Voilà, président de l'aéroclub Valoir, tout à fait. Monsieur le président. Exactement. Bah, dis bonjour à Didier de ma part. C'est Cyril Ferraud qui vous dit bonjour de la carte au trésor. Bonjour, Cyril. Alors, où est-ce qu'il t'emmène, Didier? Alors là, il m'emmène dans le centre de Valoir, dans l'office de tourisme. Est-ce qu'il a reconnu ta photo indice? Il n'était pas sûr, mais Didier quand même me parle que ça peut être Saint-Jean-d'Arve. Qui est pas très loin de Valoir, hein, où tu te c'est trouves de toute façon. Exactement ça. Et est-ce que Didier connaît Camille peut-être? Est-ce que Didier connaissait Camille? Il me semble pas, Didier. Non, c'est un nom qui ne dit pas non, grand-chose. Ça ne vous dit rien? Non, d'accord. Il ne connaît pas ce Camille. Donc peut-être qu'à l'office de tourisme, on t'en dira plus. Exactement, Cyril. Eh ben, je te laisse filer en direction de l'office de tourisme et on se reconnecte une fois que tu as une info ou pas. Merci Cyril, à tout à l'heure. Voilà, je vous attends. Merci, à tout de suite. À tout de suite. A tout de suite, Marie-Claire. Merci. C'est bon. On va à l'office de tourisme. Bien. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Je suis Charlotte de la carte au trésor. Monsieur. Je viens vers vous parce que j'ai une énigme que je vais vous lire pour garder la ligne Camille s'y colle. D'accord. Et j'ai une photo. Ok. Je voulais savoir si vous pouviez m'aider à trouver cet endroit, si ça vous dit quelque chose. Alors cet endroit-là, c'est du côté de Saint-Jean-d'Arve. Oui. Donc là, c'est le hameau de la Châle. Hameau de la Châle, ouais, d'accord. La Châle. Je vais noter ce que vous me dites. Et en fait, à côté, vous avez... C'est la montagne du Mont Charvin. Oui. Et en dessous, vous avez le chemin Col d'Arve. D'accord. Et là, ce serait quoi? Ce serait un village ou une oui, station? Oui, en fait, c'est le village qui est juste à côté, à 3 km. Et est-ce que Camille, ça vous dit quelque chose? Camille, oui. Après, il y a une Camille du côté, justement, de Saint-Jean-d'Arve. Qu'est-ce qu'elle fait, Camille? Elle travaille ici sur la station. Elle est sur la station, d'accord. Ouais. Ok. Eh bien, je vais aller chercher aux côtés de Saint-Jean-d'Arve. Merci Saint-Jean-d'Arve, beaucoup, la Châle. Merci. Bon courage. Merci, merci. Ça, et c'est parti. Je vous attends là. Allez Ludo, on va à l'office de tourisme. Merci encore Didier, à tout à l'heure. Voilà, alors je vois Najim en train d'arriver à l'office de tourisme, ici à Valoir. Il y a des chances quand même qu'à l'office de tourisme, il puisse reconnaître le col qui est ici. Je vous le dis, c'est le col d'Arve. On n'est pas très loin. Bonjour Najim pour la carte au trésor, vous allez bien? Bien et vous? Très bien, j'ai une énigme pour vous. Oui. Voici l'énigme. Pour garder la ligne, Camille s'y colle. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Nous, on a un Camille qui s'occupe, qui est responsable du festival de la Highline. Ah, très intéressant. Et voilà, qui... l'été. Et alors, par contre, il n'est pas sur Valoir. Lui, il habite à Saint-Jean-d'Arve. Saint-Jean-d'Arve, très bien, merci. Je le trouverai facilement ou il y a un endroit particulier où je peux le trouver? Si vous allez à Saint-Jean-d'Arve, vous demandez, ils connaissent. Très bien. Et cette photo, ça pourrait être à Saint-Jean-d'Arve?
Je pense. Allez, bah écoutez, merci beaucoup madame. Au revoir. Allez, c'est parti, bisous. Donc on va à Saint-Jean-d'Arbre, on suit Olivier de Didier également. Et puis on va trouver ce fameux Camille a priori. Allez, prends Marie-Claire, elle est au top, elle nous a ouvert les portières et tout. Du coup, Marie-Claire, ils m'ont demandé de me diriger vers le hameau de la Châle. Est-ce que ça vous parle, Marie-Claire? Oui. Est-ce que vous pouvez m'y emmener? Non, faut aller en hélicoptère parce que le col de la Croix de Fer est fermé. Eh ben, je vais y aller en hélicoptère. Je vais vous dire où je suis garée. Je suis un tout petit peu en dessous de là où on s'est retrouvés toutes les deux, Marie-Claire. Il y a pas de souci. Avec l'information de l'office de tourisme, on va directement aux hélicos pour retourner à Saint-Jean-d'Arve, où il y aura ce fameux Camille qui dirige le festival de la Highland. D'accord. Najim pour Cyril. Oui Cyril. J'ai l'impression que tu as eu de la bonne info là à l'office de tourisme. Ah oui, de la bonne information à l'office de tourisme qui confirme ce que Didier me disait. La photo pourrait être Saint-Jean-d'Arve. Ah, ce serait Saint-Jean-d'Arve. Exactement. Et Camille alors? Et ce fameux Camille serait une personne, alors j'ai pas demandé son sexe, mais j'ai l'impression que c'est un homme. Ok. Qui dirige le festival de la Highline. Ah, la Highline, la discipline dont on parlait tout à l'heure. Eh oui, j'espère juste que ce n'était pas la première idée de la candidate rouge. Mais bon, croisons les doigts. Ok, bah je te laisse foncer en direction de l'hélico bleu. Et direction donc Saint-Jean-d'Arve. Ça marche, merci Cyril. A bientôt Marie-Claire. On va essayer de prendre un chemin pas trop dangereux. Bon là je vais retrouver Rodolphe qui m'attend. Et on va se diriger autour du hameau des Châles. C'est Saint-Jean-d'Arve là. C'est bon, tu peux venir. En attendant d'arriver aux hélicoptères, je vais vous demander un peu, est-ce qu'il y a des endroits un peu atypiques dans la région qui pourront nous servir peut-être par la suite? Il y a beaucoup de forts, très jolis d'ailleurs à voir. D'accord, d'accord. Par exemple? Par exemple, ben, le fort de l'Essayon. Le fort de l'Essayon, c'est bien. Ouais, donc il est en plusieurs étages, hein, construction, style Mauroban ou choses comme ça. D'accord. Et il y a même une partie qui est de l'autre côté de la vallée. D'accord. Et c'est entre les deux, pour les réunir, oui. Il y a une passerelle. Très bien. Le pont du Diable. Ah, très intéressant. Voilà, okay. Si on vous pose des questions sur le pont du Diable, vous saurez tout. Eh bien écoutez, c'est super parce que je ne sais pas si c'est le genre d'information que ma candidate aura, mais s'il y a le mot Diable ou quelque chose qui s'apparente au Diable, je saurai directement où aller, au fort de l'Essayon. Merci encore Didier. Alors sinon, toujours dans les informations, si vous allez jusqu'à Termignon, il y a un fromage là-bas qu'on en trouve assez rarement sur les tables des grands restaurants qui s'appelle le Bleu de Termignon. Najim pour Cyril. Oui Cyril. Dis donc, tu prendrais pas Didier pour un guide touristique de la région par hasard? Eh oui, totalement. T'essaies de lui soutirer des informations sur tout ce qui se trouve dans la région? Eh bien oui, je profite du savoir des personnes de la région pour un peu englober de l'information et potentiellement m'aider pour les prochaines énigmes. J'en ai trop dit, voyez. Vous n'en avez pas trop dit. Ah non, non, Didier, il n'y a pas de problème, c'est le jeu, il a le droit de vous demander tout ce qu'il veut. Au candidat bleu, vous n'en dites jamais trop, vous inquiétez pas. En tout cas, t'es un malin toi, Najim, hein. Je viens de m'en apercevoir. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Cyril. Tout à l'heure, sur mon carnet de route, j'ai trouvé un petit article sur une activité sportive qui s'appelle la Highline. Donc je me dirais bien que Camille serait un professionnel de la Highline, c'est une grande corde tendue entre deux falaises sur laquelle on va pouvoir faire de l'équilibre. Du coup, je pense qu'on va essayer de trouver ça. Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Alors, tu es remontée dans l'hélico rouge. Oui. Ça veut dire que tu as eu une bonne info, visiblement. Oui, j'ai eu une bonne info. Je me dirige vers la commune de Saint-Jean-d'Arve. Ok, Saint-Jean-d'Arve. Est-ce qu'on a pu te renseigner sur Camille? Non. Enfin, en tout cas, il y aurait un ou une Camille au niveau de Saint-Jean-d'Arve. C'est-à-dire, on t'a dit qu'il y avait peut-être quelqu'un qui s'appelait peut-être Camille là-bas? Quelqu'un qui s'appelait Camille à la station, oui. Bon, ça, c'est un peu vague comme information. Parce c'est que là-bas, il doit sans doute y avoir une Charlotte et un Cyril hein, dans c'est le coin. C'est pour ça. Donc, je vais vraiment mener mon enquête sur place pour essayer de trouver Camille. Ok, qu'est-ce qu'on t'a dit d'autre? Est-ce qu'on pratique des sports particuliers là-bas? Est-ce qu'il y a une histoire de col? Est-ce qu'il y a une histoire de ligne? On ne m'a rien dit, mais effectivement, en y repensant dans le carnet de route, j'avais vu un article sur le festival des Highline à Valoir. C'est Highline. Oui, ce sont des grandes lignes tendues entre deux montagnes sur lesquelles on va venir faire de l'équilibre. Une grande sangle, c'est ça? Ouais, une grande sangle. Un peu sangle. Comme du funambulisme. C'est ça, exactement. D'accord. Donc je vais demander à mon pilote de tourner autour de la commune de Saint-Jean-d'Arve pour que je puisse repérer quelque chose. Alors, hashtag la carte au trésor, les amis, pour encourager les rouges, d'un côté, c'est l'équipe de Charlotte, ou les bleus, de l'autre côté, c'est l'équipe de Najim. Ok, merci beaucoup Didier, allez, je me dépêche, merci encore, bonne journée à vous. Ok, donc maintenant qu'on a l'information Ludo, on va aller directement à Saint-Jean-d'Arve. JC, c'est bon pour toi? Allez, on est parti. Allez, super. Alors vous l'avez compris, Najim reprend son hélico pour filer du côté de Saint-Jean-d'Arve. Et c'est à Saint-Jean-d'Arve qu'on trouve le col d'Arve qui culmine à 1748 mètres d'altitude. Aujourd'hui, il surplombe les remontées mécaniques de la station de ski. Mais autrefois, il était le point de passage obligé pour les habitants de la vallée de l'Arvan. Et vous le reconnaissez ce col? Eh ben oui, c'est celui de notre photo indice. Ça veut dire que la capsule ne devrait pas être très loin. Regarde, on passe le col.
Ah oui, c'est ça la ligne. Oh punaise! Oh, c'est tellement beau! Qu'est-ce qui se passe, Charlotte? J'ai repéré une grande sangle avec quelqu'un qui me semble être dessus, d'ailleurs. Oh, c'est dingue! Alors, effectivement, je suis à côté de toi, donc je vois une grande sangle qui ressemble franchement à une highline. Oh là là, c'est immense! Je pensais pas que ça aurait été aussi grand. On va essayer de se poser au plus proche, hein, Rodolphe. Rodolphe, c'est mon pilote. Ah oui, ça je sais, on m'a présenté. Ça fait 4 ans qu'on vit tous ensemble dans les airs. Salut Cyril, au fait, ça va? Bonjour Rodolphe, vous allez bien? Ouais, on est bien là, on est très très bien, on va aller se poser. Regarde, on va se poser là, vers l'église là. D'accord. Il reste un peu plus de 10 minutes en tout cas pour trouver la capsule. Bonne chasse à l'info, Charlotte. Merci. Tu me diras également, une fois là-bas, j'y sais, si c'est un endroit où je peux me poser ou si il faudra que je trouve une voiture, car on ne peut pas se poser directement à Saint-Jean-d'Arve. Oh, pour toi, on va se débrouiller, on va bien trouver un moyen de s'approcher. Ah, super, j'y sais, merci, merci. C'est entre les deux montagnes, c'est ça, j'y sais? Ou derrière? Oui, c'est encore un petit peu derrière. Ah, ok, d'accord. Et tu baisses bien la tête par l'avant. Pendant que Charlotte court pour retrouver Camille et en attendant que Najim arrive lui aussi à Saint-Jean-d'Arve, une petite anecdote pour vous qui nous suivez. Est-ce que vous savez pourquoi on parle d'alpinisme quand on grimpe au sommet d'une montagne? Eh bien tout simplement parce que cette activité est née ici, dans les Alpes. Ce sont les Anglais qui ont lancé cette mode au 19e siècle et qui ont baptisé ainsi l'alpinisme. L'ascension d'un sommet est rapidement devenue une pratique sportive au-delà des Alpes, mais le mot alpinisme, lui, est resté et s'est même diffusé partout dans le monde. Bonjour monsieur, Charlotte de la carte au trésor. J'ai une énigme à raison, peut-être que vous pouvez m'aider si vous avez un petit peu de temps. Pour garder la ligne, Camille s'y colle. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'avais une photo, je pense que vous devez reconnaître le coin. Ouais, est-ce qu'il parlerait peut-être pas du col d'Arve? Oui, le col d'Arve. Ouais. Et le col d'Arve, ça se trouve où? Vous pouvez me le montrer là? Alors le col d'Arve, il est juste là-haut derrière. D'accord, tout droit. Est-ce que vous pouvez m'y emmener? Ouais, bien sûr. Oui, super, merci. Je pense voir l'hélico rouge. Ah, je vois la highline également là-bas, qui est juste en face de nous là. Alors c'est très peu visible de là où je suis, mais je me fais confiance, à mon œil de lynx avec ma très bonne vision, on va dire ça. Et on va essayer de se poser le plus proche, JC. Oui, c'est ça. Ok, super, merci JC. Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Tu as trouvé une voiture? Oui, j'ai trouvé une voiture, Cyril. Comment s'appelle ton conducteur? Mon conducteur s'appelle... Sébastien, pardon. Bonjour Sébastien, bienvenue dans la carte au trésor. Sébastien, Cyril vous passe le bonjour du haut de l'hélicoptère qui se trouve au-dessus. Bonjour à vous. Alors, il t'emmène où Sébastien? Sébastien, il m'emmène au niveau du col... Attends, j'ai perdu le nom. Le col d'Arve. Le col d'Arve. D'accord. Alors là, qu'est-ce que tu veux faire Charlotte? En fait, ton idée c'est d'aller rejoindre la ligne que Mon tu as vue. Mon idée c'est d'aller rejoindre la ligne que j'ai vue, oui. D'accord. Et je dois chercher Camille. Ça vous dit quelque chose? Camille, ça me dit rien. J'ai un ami juste là, lui peut-être qui sait. Je vais aller voir. Allez, go, go, go! Allez, super, Ludo! On va directement aller chercher l'information, essayer de rencontrer quelqu'un qui connaît ce fameux Camille. On voit qu'il y a quelques habitations. On va essayer de sonner chez les gens, je vois personne sur la route. Ah, je vois une voiture. Bonjour monsieur, c'est Charlotte de la carte au trésor. J'ai une énigme à résoudre, est-ce que vous pouvez peut-être m'aider? L'énigme c'est pour garder la ligne Camille s'y colle. C-O-L, le col. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Camille dans le coin? Moi, ça me dit rien. Si, Camille Le Guéo. Qu'est-ce qu'il fait, Camille Le Guéo? Il marche sur des highlines. Je veux le rejoindre, s'il vous plaît. On y va. On y va? Vous savez, on y va? Allez, on y va. Monsieur, bonjour. C'est une magie pour la carte au trésor. Oui. Je dois aller voir Camille à la highline. Vous pouvez m'y emmener? Merci beaucoup, monsieur. Ah, je vois une croix là-haut. Ok. Alors, il y a la coque qui est là. Oui. Et il est là-dessus. Essayez de m'emmener au plus proche. Et ben après, faut monter dans le pré là. Non, si, c'est bon. On doit pouvoir accéder peut-être par le chemin. C'est bon. Surveille s'il n'y a pas Najim dans les environs. Najim pour Cyril. Oui, Cyril. Tu es dans une voiture. Exactement. Alors, sache que tu n'es pas le seul à être à Saint-Jean-d'Arve, puisque Charlotte, elle aussi, est dans le coin. Mince. Qu'est-ce que tu as vu en arrivant ici? Alors, je pensais avoir vu cette ligne tendue, donc cette highline. Ok. Alors, vu la direction dans laquelle on va, je ne sais pas si c'est exactement ce que j'ai vu, mais je suis avec deux charmantes personnes du coin qui connaissent cette ligne et donc qui nous emmènent dans la bonne direction. Arnaud conduit. Et c'est Martine, c'est bien oui, ça Martine. Qui lui indique le chemin comme un GPS, parce qu'elle connaît très bien la région.
D'accord, ok. J'espère trouver ce Camille sur la Highline ou en tout cas à terre parce que ça sera plus facile pour l'approcher. Ah oui, bah si tu dois aller toi-même sur la Highline chercher la capsule, à mon avis, ça fait, t'as fait un peu des cours de cirque quand t'étais petit ou pas? Très peu. Si tu veux, Cyril, on me surnomme souvent Nagymnastique, donc ça fait un peu gymnaste. Ah, Nagymnastique, ah, j'aurais pas osé. Ah, mais vous voyez. Hey, hashtag Nagymnastique. Exactement. Mais par contre, je ne suis pas du tout gymnaste. Bon, cela dit, il te reste un peu moins de 6 minutes pour arriver en haut du col. Super, j'espère arriver à temps et avant Charlotte. Allez, vite, vite, vite. Merci Cyril, on se dépêche. Alors regardez, ils sont effectivement tous les deux en voiture, les rouges d'un côté, les bleus de l'autre. Mais ils sont encore loin du sommet du col. Et pourtant, c'est là-haut qu'il va falloir aller retrouver Camille avec sa capsule. Et en moins de 5 minutes 30, c'est pas gagné, ça. Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Sébastien sait où serait ce moment Camille? Oui, Sébastien a l'air de savoir où est Camille. Il serait au col d'Arve en train de pratiquer son sport. Donc, on va essayer de il le rejoindre. Regardez, il est là. Il est là-haut. Donc, tu serais sur la bonne piste. Et il y a un petit monsieur dessus, donc espérons que ce soit Camille. Et tu sais, il y a un autre petit monsieur, figure-toi, qui se balade dans les environs, qui s'appelle Najim. Ah, Najim, c'est le candidat bleu. Il est lui aussi à Saint-Gendarme. Je vais arriver la première, Najim. Donc, il faut te dépêcher. Est-ce que tu l'avais entendu, l'hélico bleu? Oui, j'avais entendu l'hélico bleu. Eh ben voilà. Donc, alors, il faut se dépêcher. Qui va arriver en premier à rejoindre Camille? On va y aller tranquillement. Allez, bonne route à toi Charlotte. A tout à l'heure, merci. A tout à l'heure. Eh bien oui, regardez, le voici notre Camille sur cette ligne de 850 mètres de long. C'est énorme, tendu au-dessus du col d'Arve, à près d'une centaine de mètres du sol. Alors la Highline, c'est une discipline proche du funambulisme. Ça demande beaucoup de préparation, de coordination. Aujourd'hui, pour réaliser ce défi, Camille s'est entouré de ses amis, les fondus de la Slack de Chambéry, pour installer cette sangle XXL. Alors marcher dans le vide, comme est en train de le faire Camille, ça fait appel à l'équilibre évidemment, mais aussi à la perception du corps dans l'espace. Et regardez-le avancer avec la capsule en équilibre à une centaine de mètres du sol. L'image est époustouflante. Je vous pose ici et t'as juste à monter là-haut et les rejoindre. Allez, c'est parti. Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Il reste 4 minutes pour attraper la capsule. Ça serait trop dommage de la perdre. Sébastien, il vient avec moi. Allez, faut cavaler, Charlotte. Allez. Vite. Je le vois, Camille, depuis les airs, sur la Highline. Il est à quelques mètres du bout, à quelques mètres du sommet du col d'Arve, où tu vas peut-être récupérer la capsule. Allez, Charlotte, allez, Olivier. Faut tout donner, Charlotte, là. Je suis avec Sébastien. Oui, mais c'est avec Camille qu'il faut être. Oui. Il m'accompagne. Normalement, on doit bientôt la voir, là. Okay. Très bien. Voilà, les autres sont... Attendez. Est-ce qu'il y a des personnes, parce que c'est peut-être pas la bonne Highline. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en ville encore? Camille ici. Camille, il habite à La Curia, sinon je... Ah bah voilà. Ah, alors allons-y, alors allons à La Curia directement. Parce que regarde, ouais, je vois, mais je pense voir personne. Non, je pense qu'il y a personne du tout, elle est pas tendue du tout. Ah mince. Camille! Oui, c'est lui. Allez, t'es à quelques mètres de lui, Charlotte. Souffle bien, respire bien. On est en hauteur, si t'as la tête qui tourne, c'est un peu normal. J'arrive plus à monter. On est à plus de 1700 mètres d'altitude, c'est normal que tu sois essoufflée, Charlotte. Prends bien ton souffle. Camille, c'est Charlotte. Camille. Allez, les derniers mètres, Charlotte. Charlotte et victoire des Rouges pour cette première énigme à plus de 1700 mètres d'altitude. Bravo les Rouges, bravo Charlotte, bravo à Olivier aussi, tu peux faire un check à ton cadreur. Ah bah dis donc, quelle première énigme. T'es épuisée Charlotte. Check Olivier. Est-ce que tu peux t'approcher de Camille qui était quand même un héros dans cette énigme pour aller lui faire dire quelques mots? Je voudrais lui poser quelques questions à Camille. Cette Highline, il a tendu entre les deux sommets, combien elle mesure sa Highline? Combien elle mesure ta Highline? Notre Highline, elle mesure 860 mètres. Tu te rends compte de l'exploit quand même? Et au point le plus haut, Camille est à combien au-dessus du sol? Ta ligne au maximum, elle est à combien au-dessus du sol? Là, je crois qu'on est à 150 mètres et quelques. 150 mètres du sol. Je pense que tu peux faire un câlin à Camille ou lui faire un gros check. Je fais un gros câlin. Parce que c'est lui qui était le gardien de cette première capsule. Charlotte, ça veut dire que tu as donc un premier indice pour retrouver la Rose des Vents. Et je vais me connecter avec Najim, qui est pas très loin, lui. Il est en voiture aussi, Najim.
Najim pour Cyril. Oui, Cyril. Tu es toujours en voiture? Toujours en voiture. Et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Elle a trouvé la capsule avant toi. Bravo. Franchement, ça s'est pas joué à grand chose. Ah oui, hein. J'imagine. Charlotte a eu l'information avant toi. Elle a pu arriver plus tôt ici à Saint-Jean-d'Arve. Et elle est allée jusqu'au bout de ce col. Et je peux dire qu'elle était épuisée. Parce que monter à pied, voilà, les derniers 150 mètres qu'il y avait à gravir, mais en étant à plus de 1700 mètres d'altitude, je peux te dire que c'était costaud. Ah oui, bah bravo à elle. Écoute Najim, tu as été brillant quand même pour cette première énigme, merci tu vas te rattraper sur la deuxième, d'accord? Bien sûr, bien entendu, merci Cyril et bravo à Charlotte. On va se retrouver pas très loin d'ici, donc à Saint-Jean-d'Arve, figure-toi, pour donner le top départ de l'énigme 2. On va se retrouver au milieu des champs, tu vas voir, ça va être super beau. Super, bah écoute, allez, à tout de suite. À tout de suite. Notre aventure en Maurienne se poursuit dans un instant, mais attention les amis, pour fêter le retour de la carte au trésor cet été, nous avons décidé de vous offrir 10 000 euros. Mais 10 000 euros, quand ça? Dans 30 minutes à peine. Vous avez bien entendu, l'un d'entre vous dans 30 minutes va gagner 10 000 euros, peut-être en répondant à la question que voici. Quelle était la spécialité de Camille dans l'énigme précédente? 1. La highline. 2. Le parachute. Vous avez la bonne réponse? Alors tout de suite, envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 73003 ou alors appelez le 3243. Vous allez peut-être gagner 10 000 euros dans 30 minutes à peine grâce à la carte trésor. Bonne chance! Voilà, on est de retour au sol, nous sommes à Saint-Jean-d'Arve. Regardez ce paysage magnifique une fois de plus. Pour info, on est au pied de l'une des stations de ski de la vallée de l'Arvan. Félicitations, c'est ici qu'on fête la victoire des Rouges pour la première fois ce soir. Première capsule pour toi et premier indice pour retrouver la Rose des Vents. J'ai entendu et j'ai senti ton sourire quand tu l'as aperçu et quand tu l'as récupéré. Oui, merci Cyril, je pense que la montagne entière m'a entendu. On t'a entendu dans toute la vallée, mais après que tu aies repris ton souffle, hein, cela dit. Oui Cyril, j'étais complètement essoufflée en montant, donc j'avais vraiment plus de souffle, mais assez pour crier ma victoire. C'était pas facile, mais j'ai adoré. Eh ben tant mieux. Najim, bon. Eh oui. Honneur aux dames, on va dire ça comme ça. C'est exactement ça, elle n'a pas été facile, mais bravo pour la première, il faut être fair play. La deuxième, j'espère que ce sera différent. Eh ben, tu vas te rattraper maintenant. Justement, la deuxième, puisqu'on en parle, la voici, notre deuxième énigme ce soir, en Maurienne. Et c'est une énigme particulièrement longue. Regardez. L'un se distingue par son talon, l'autre est votre destination. Procurez-vous un beau morceau de chaque pour réaliser une déclinaison de cette recette locale. Et pour vous aider à trouver cette capsule, vous avez les deux indices qui sont derrière vous. Regardez, attrapez-les. Mais attention, ne les ouvrez pas. Vous ne pourrez les ouvrir que lorsque vous serez dans vos hélicos. J'ai déjà hâte de vous voir courir avec. Najim, voilà ton énigme. Merci il te beaucoup. Reste une main. Bonne chance à toi. Voilà pour toi aussi, Charlotte. Merci. Et pour retrouver cette deuxième capsule, vous avez 25 minutes. Vos hélicos vous attendent un petit peu plus loin. Attention, 3, 2, 1, top chrono pour l'énigme 2. Allez, Olivier. Je t'y suis. Super. Allez, allez, Olivier, on retourne à l'hélico. C'est bon pour toi, Ludo? Vous l'avez compris, on va parler cuisine maintenant. Et on va s'intéresser à des fromages qui font la réputation de la Maurienne et avec lesquels on prépare une spécialité de la Savoie. Ils n'ont pas encore découvert leurs indices, mais à votre avis, qu'est-ce qu'on va manger dans cette énigme? Hashtag la carte au trésor pour nous le dire. Ok. Je passe ça. Du coup, je suis sur ma nouvelle énigme. L'un se distingue par son talon, l'autre est votre destination. Procurez-vous un beau morceau de chaque pour réaliser une déclinaison de cette recette locale. Ok, j'essaie de trouver un endroit qui me semble intéressant, mais j'attends d'ouvrir cette cloche. Je pense que ça va me donner plus d'informations sur l'endroit où aller. Allez, on se connecte avec nos deux candidats, Charlotte et Najim pour Cyril. Oui Cyril, oui, je t'écoute. Cyril. Alors, vous êtes tous les deux à bord de l'hélico rouge et de l'hélico bleu. Eh bien, j'ai l'honneur de vous dire que vous pouvez soulever vos cloches. Allez, c'est parti. Ok, donc... C'est fait. Eh bien, voilà. Je n'ai pas le dessert, mais j'ai le fromage pour vous. Ça sent fort le fromage. Alors, ne mangez pas tout, c'est un conseil d'amis. Je vous laisse réfléchir maintenant à votre première destination. Okay. À tout à l'heure. Merci Cyril. Bon appétit. Ok, donc nous avons là deux morceaux de fromage. L'un ressemble à quelque chose comme du comté, une pâte dure en tout cas. Et l'autre me ressemble pas mal à du roquefort, mais c'est pas trop la région. Peut-être du beaufort qui doit ressembler à ça, qui doit être du coin.
Charlotte. Oui. Je te souhaite un bon appétit. Vas-y toi. Apparemment, c'est pas, il y en a pas pour tout le monde, hein. Un peu de déo. Est-ce que tu es prête à décoller et tu me donnes ta destination en vol? Ouais, je vais te donner ma destination en vol. D'accord, c'est parti. Donc, écoutez, je vais essayer de retrouver des informations dans le carnet de bord et je te donne ça dans quelques secondes, tu sais. Eh ben d'accord, ce que je te propose, c'est qu'on décolle. Et puis, dès que tu as une destination, on essaye d'y aller. Allez, super, on fait comme ça, j'y sais, merci. Parfait. C'est toi qui viens d'enlever tes chaussures, là? Ah, c'est une blague, me déconcentre pas, là. Là, je rigole pas, les gars. Hein. Là, je rigole pas du tout, du tout. Hein. Faut pas tarder à m'évanouir, je pense. Je suis en train de regarder mon carnet de route et je vois qu'il y a quand même pas mal d'informations sur les fromages du coin. Au niveau de la raclette ou la fondue savoyarde, il y a quand même pas mal de fromages dedans. Le Beaufort, le Comté, les Mental. Sauf que là, j'ai un morceau de fromage bleu, donc persillé. Ça, c'est quoi, ça? Je vais en manger un bout. Hein. C'est du Comté, ça. Du Comté, donc il me faudrait un bout de Beaufort en soi. Est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle Beaufort quelque part? Ça ressemble vraiment du Comté en l'occurrence. Ok, donc celui-ci c'est bon. Procurez-vous un beau morceau de chaque pour réaliser une déclinaison de cette recette locale. Je ne connais pas en tout cas cette recette. Dans mon carnet de bord, on parle bien de la fondue savoyarde. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, se distingue par son talon. Quoi de talon? Talon, à part talon d'Achille. J'ai pas trop d'idées là tout de suite. Les morceaux de fromage que je leur ai donnés sont tous les deux des morceaux de fromage produits dans la vallée de la Maurienne. Il va donc falloir les identifier précisément pour se procurer les mêmes fromages mais en plus grande quantité. Mais alors pourquoi faire? Pour réaliser une variante de la fameuse fondue savoyarde. Si je mets des pictogrammes sur ma carte, j'en ai un qui représente des fromageries. Donc on va essayer de se diriger vers une fromagerie. Je vois 3 fromageries qui seraient susceptibles de m'intéresser, même 4. Je pense que je ne vais pas prendre de risque et je ne vais pas aller trop loin pour que je puisse récupérer l'hélico au cas où, vraiment au cas où. Saint-Jean-de-Maurienne, c'est beaucoup trop grand. Je vais avoir du mal à trouver une fromagerie, donc je vais monter sur La Chambre. C'est un village qui est beaucoup plus petit. Je l'ai vu dans mon carnet de route. Madame stratège. Madame stratège. Eh ben, on va voir La Chambre. C'est parti. Pour l'instant, j'ai décidé d'aller vers une coopérative fromagère. Je vois sur ma carte de jeu qu'il y a plusieurs fromageries. J'en vois à l'autre bout de la vallée vers Bonneval-sur-Arc. Je vois aussi une piste de ski. Ça peut me faire penser à le talon qu'il y a au ski de fond qui se soulève. Je ne suis pas sûr que ce soit ça du tout. Là, c'est un peu tiré par les cheveux. Bah écoute, sans trop de conviction, j'y sais, on va aller vers Bonneval-sur-Arc. Potentiellement, en cours de route, je te réindiquerai une destination. Il y a l'Anglebourse Montcenis qui est sur la route. Donc écoute, allons vers Bonneval-sur-Arc. Et d'ailleurs, une nouveauté, les amis à la maison, vous aussi, vous allez pouvoir jouer en même temps que nos candidats depuis votre canapé. Comment? Eh bien, en flashant le QR code qui est ici, qui vous donnera accès à la carte de jeu de ce soir avec tous les points de dépose possibles en hélico. Alors, prenez-vous pour un candidat de la carte au trésor. Et selon vous, quelle direction vous prendriez? Hein? Vous vous poseriez où? On va aller voir les rouges pour commencer. Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Est-ce que ça hume le fromage à l'intérieur de ton hélico? Ça sent très fort à l'intérieur de l'hélico. Est-ce que tu as fait goûter à Rodolphe et à Clément tes deux fromages? Personne n'a goûté pour l'instant, je les garde. Toi, t'as pas goûté? Moi, j'ai reniflé pour l'instant, Cyril. Faut dire qu'avec la chaleur, on renifle facilement. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ces deux fromages? Est-ce que tu crois les reconnaître déjà? Oui, je pense que le premier, c'est un comté. Le jaune, ok. Et le persillé, je pense que ça doit être un fromage bleu du coin. Je m'y connais pas assez. Alors, tu as deux morceaux de fromage d'un côté et tu as une très longue énigme de l'autre. Oui. Qu'est-ce que tu crois comprendre de cette énigme? Je pense qu'il faut que je me rende dans un village qui porte probablement le nom d'un des deux fromages que je dois rajouter à mon plateau pour réaliser une déclinaison d'une recette. Ce serait quoi cette recette? Ben, j'ai pensé tout d'abord à la fondue savoyarde. Ok. Alors, tu sais que la fondue savoyarde, c'est un mélange de plusieurs fromages. Oui. Mais lesquels? Il y a du Beaufort, du Comté, de l'Emmental et de l'Abondance, il me semble. Ça, c'est la recette qui est inscrite à l'intérieur de ton carnet de route. C'est ça, mais je pense qu'on peut en faire une déclinaison avec
le fromage bleu que j'ai devant moi. Alors ça, c'est vrai qu'en fait, la recette de la fondue, tu mets un petit peu ce que tu veux dedans. C'est ça. Ah bah, je vais te laisser investiguer. Quelle destination tu prends ? Je vais me diriger vers un village qui est beaucoup plus petit que Saint-Jean-de-Maurienne. J'avais prévu de m'arrêter là, mais je vois sur mon carnet de route et sur ma carte que c'est un village qui est très très grand. Donc ça va être très compliqué pour moi de trouver la fromagerie. Du coup, je pense que je vais me rediriger vers le petit village qui est au-dessus, qui s'appelle La Chambre. Bon bah, je vois que tu as réfléchi à ta stratégie, alors j'espère qu'elle te portera chance. Merci Siri. Et comme ce soir nous survolons la vallée de la Maurienne, je vais vous montrer son cœur historique, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est l'un des berceaux de la maison de Savoie, une dynastie de princes qui a régné pendant près de 1000 ans sur un territoire à cheval entre la France, la Suisse et l'Italie. Saint-Jean-de-Maurienne, c'est aussi le point de rendez-vous entre deux cours d'eau, l'Arc et l'Arvan. Des cours d'eau qui ont joué un rôle essentiel dans le développement de la ville, mais ça, on en reparlera plus tard, je pense. On va aller voir les bleus. Najib pour Cyril. Oui Cyril. Alors, est-ce que tu as dégusté déjà tout le fromage ? Je n'ai pas dégusté tout le fromage, j'en laisse aussi pour JC et Ludo pour la suite. Ah, ça, ça fait plaisir. Ça t'inspire quoi ces deux morceaux de fromage déjà ? Est-ce que tu les reconnais ? Écoute, je pense reconnaître le comté et le beaufort. Donc le comté, ce serait le fromage le plus jaune, le plus neutre. À pâte dure, exactement. Ok, et à côté du beaufort. C'est exactement ça. Ouais. Et ton énigme te dit, l'un se distingue par son talon, l'autre est votre destination. Procurez-vous un beau morceau de chaque pour réaliser une déclinaison de cette recette locale. Ça t'inspire quoi cette recette locale ? Eh bien la recette locale, la seule recette locale parmi mon carnet de route et puis de ce que je connais un peu en fromage, dirons-nous, ouais. Ça me fait penser à la fondue. La fondue savoyarde. Exactement, c'est souvent okay. Quelque chose qu'on fait avec deux fromages. Alors quelle destination tu choisis ? Alors pour l'instant j'ai décidé d'aller vers le col de l'Iseran, vers Bonneval-sur-Arc. Et pourquoi Bonneval ? Je dirais Bonneval parce qu'il y a une coopérative fromagère. Ça, c'est ce qui m'inspire. C'est vrai, il y a une coopérative fromagère sur ta carte, à Bonneval, mais il y en a aussi à Lens-le-Bourg-Montsenis. J'en vois plusieurs autres. Alors, il y a un truc qui est sûr, c'est ouais. Qu'on est en train de décoller de Saint-Jean-d'Arc. Oui. Bonneval-sur-Arc, c'est à l'opposé de la zone de jeu. C'est-à-dire oui, qu'il faut traverser toute la vallée. Ouais. Donc, si jamais tu fais mauvaise pioche... Je suis dans le pétrin. Ça va être compliqué de revenir en arrière. Exact. Mais tu fais bien ce que tu veux avec ton hélico bleu et ton JC de pilote. À tout Merci. À l'heure. Eh oui. Nos candidats l'ont bien compris, la recette qu'ils doivent réaliser, c'est bien celle de la fondue savoyarde. Comme son nom l'indique, elle vient de Savoie, mais ne le dites surtout pas à nos voisins suisses, car pour eux, elle a été inventée à Fribourg par des bergers qui ne voulaient pas gaspiller les restes de fromage. Quant aux ingrédients, il existe des dizaines de variantes. D'un village à l'autre, la recette change en fonction des saisons ou de la vallée dans laquelle on se trouve. Revenons au jeu, allons voir les rouges maintenant. Une coopérative de fromage là. Oh, c'est vraiment beau. J'ai trop de chance. On est dans la coopérative là de fromage du Beaufort. Charlotte pour Cyril. Oui Cyril. Je te vois arriver à la coopérative de fromage. Oui. Bonjour messieurs dames. Tu as ton fromage avec toi ? J'ai mon fromage avec moi. Bonjour. Bah, super. Je suis Charlotte de la carte au trésor. Oui. Et j'ai une énigme. Est-ce que vous pouvez peut-être m'aider à la résoudre ? L'un se distingue par son talon. L'autre est votre destination. Procurez-vous deux beaux morceaux de chaque pour réaliser une déclinaison de cette recette locale. Oui. Sachant que on m'a déjà donné deux morceaux. Bon, ils sont un petit peu mangés, hein. J'ai une équipe qui est gourmande. Elle met ça sur le dos de Rodolphe. Mais je n'en ai pas mangé, Cyril. La coquine. Celui-là, c'est le fromage typique de la Savoie, c'est le Beaufort. Le Beaufort, je voilà. Me suis trompée. Le Beaufort qu'on fabrique nous sur la coopérative. D'accord. Voilà. Et puis celui-là, c'est du bleu de Bonneval qui donc est fabriqué sur la Haute-Maurienne, hein, oui. Qui est d'origine de la commune de Bonneval-sur-Arc. Et du coup, la recette, vous auriez une petite idée ? Je pense que la plus typique de la Savoie, ce sera peut-être la fondue. La fondue savoyarde. Voilà. Et du coup, vous pensez que ma destination, ça porterait le nom du fromage, donc ce serait Bonneval ? Je pense. Ça m'aide énormément. Je pense. Merci beaucoup. Charlotte ? Oui. Que dit ton énigme exactement ? Mon énigme, ah, j'y viens, j'allais leur demander Cyril de me donner un petit morceau de fromage avant de partir. Eh oui, procurez-vous un beau morceau de chaque. Bien sûr, là je vais demander du coup du comté. Du Beaufort. Du Beaufort, oh j'ai pas y arrivé. Tu sais que le comté il vient du Doubs, hein. Il vient pas de Savoie, tu vas vexer les Savoyards. Alors qu'est-ce qu'ils vont te donner comme fromage exactement ? Du Beaufort et puis un beau morceau de bleu de Bonneval. Mais un morceau de quelle taille ? Des gros morceaux, je pense que tout le monde va pouvoir se régaler là. Et quelle est cette histoire de talon ? L'un se distingue par son talon. Alors pour l'histoire du talon, je pense que
un des deux fromages doit être à pâte très dure. Donc le Beaufort, qui est un fromage à pâte pressée cuite, et donc on lui faisait dans le temps le talon qu'on appelle talon concave, pour permettre au mulet de descendre le fromage. En fait, on calait les meules de fromage sur les côtés du mulet, et donc quand on descendait les Beaufort d'alpage, on descendait les fromages à dos de mulet, c'est pour ça qu'on faisait le talon concave. D'accord, j'apprends plein de choses, Cyril, c'est génial. Donc l'un se distingue par son talon, ce serait donc le Beaufort. Voilà. Et l'autre est votre destination, ce serait donc le Bleu de Bonneval, donc c'est évidemment là où je vais aller, Cyril. Avec tes morceaux de fromage. Avec mes morceaux de fromage. Allez, c'est la carte au fromage. Merci. C'était quoi votre prénom ? Alban. Eh bien merci Alban en tout cas. Ah oui, merci Alban de t'offrir ces fromages. Hein. Cyril, vous remercie Alban. Merci. Merci. Est-ce que Alban peut m'en mettre un de côté ? Il demande si vous pouvez lui en mettre de côté, Cyril. Il y a tout le magasin, il passe quand tout il veut. Tout le magasin quand vous voulez. On finit les nids, mais je passe après. Allez, à tout à l'heure. Merci, salut, Cyril. Salut Charlotte, je te laisse reprendre ton hélico. Merci. Comme vient de le découvrir Charlotte, le premier ingrédient pour faire notre fondue, c'est le Beaufort. Et il a un signe particulier, le Beaufort. Son bord est légèrement arrondi vers l'intérieur. On dit qu'il a un talon concave. Et comme l'a évoqué Alban, le fromager, cette forme permettait autrefois de passer une corde autour de la meule pour le transporter facilement. Et c'était malin puisqu'une meule pèse quand même autour de 40 kg. Alors on peut trouver du Beaufort un peu partout, ici. Il faut dire que la vallée de la Maurienne est l'une des zones de production principale de ce fromage, qui fait la fierté des Savoyards. Tiens les gars, vous allez vivre votre meilleure vie là. C'est mal les morceaux. On est parti pour où? Ok. Rodolphe, j'ai eu des informations hyper intéressantes. Du coup, on va aller sur Bonneval-sur-Arc, s'il te plaît. C'est ma destination. Eh bien, ça marche. On va sur Bonneval. Oh oui. Donc ouais, là je suis encore en train d'hésiter entre Bonneval-sur-Arc et Lens-le-Bourg-Mont-Cenis. J'ai bien envie de m'arrêter à Lens-le-Bourg-Mont-Cenis où il y a un point d'information et une fromagerie. Donc aller chercher de l'information par là. Najim pour Cyril. Oui Cyril. J'ai l'impression que tu hésites à aller à Lens-le-Bourg-Mont-Cenis. Exactement. Alors pourquoi ? Il y a également une fromagerie là-bas. Et en relisant mon carnet de route, je vois que c'est une coopérative, en l'occurrence, à Lens-le-Bourg-Mont-Cenis qui fait du Beaufort. Et je pense que le fromage à pâte dure que j'ai, c'est peut-être du Beaufort, de ce que je lis dans mon carnet de route. Alors, je te rappelle que ton énigme te dit « Procurez-vous un beau morceau de chaque ». Exactement, un donc, bon morceau de chaque. Donc, tu vas devoir récupérer un morceau de Beaufort, selon toi. Exact. Et un morceau de quoi d'autre? Bah, de ce fromage bleu que je n'ai pas encore, dont je n'ai pas encore le nom. Puis ensuite, aller réaliser cette déclinaison de cette recette locale à la destination qui devrait être le deuxième fromage. Ma première intuition, c'était quand même d'aller vers Bonneval-sur-Arc, parce qu'il y a une fromagerie et, en tout cas, le nom me dit fromage. Le nom te dit fromage. Le nom me dit fromage. C'est-à-dire que Bonneval-sur-Arc, ça crie fromage. Ça crie fromage. Je l'entends dans l'écho de la vallée, ça crie fromage. C'est vrai que c'était ta première idée tout à l'heure. Tu trouvais ça plus sage de t'arrêter pour prendre de l'information, alors qu'est-ce que tu fais? Je suis mon intuition première. Oui. Et ensuite, si ce n'est pas le cas, je reviendrai sur Lens-le-Bourg-Mont-Cenis. En même temps, et quand on a de l'intuition, c'est qu'on a du pif. Exactement. Alors si tu trouves que ça sent le fromage, bah écoute, hein, on reste quand même sur le même vocabulaire. Exactement, et puis on espère que ça va sentir bon fromage. C'est un coup de poker en tout cas, hein, que tu fais, Najim, oui. Tu as traversé la vallée. Exactement. J'espère que c'était pas du côté de Saint-Jean-de-Maurienne, complètement de l'autre côté, qu'il fallait aller. Ah, sinon ça va faire une grosse trotte. Eh bien, bon vol vers Bonneval, c'est pas si facile à dire. Eh non. Je te suis, je suis dans ta roue, comme dirait l'autre. Eh bien, super Cyril, à bientôt. On va aller vers les rouges. Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Charlotte, tu es en train de traverser toute la vallée de la Maurienne. C'est magnifique. En direction de Bonneval. T'en prends plein les yeux, j'ai l'impression. Non. Oui. Non, oui, peut-être. Oui ou non? Oui, carrément oui. Je te force pas à me dire oui, hein. Pardon. Alors, je vais te raconter un truc. Tu sais, en début d'émission, on parlait de sport d'hiver. Oui. Eh bien, figure-toi que les vaches, ici dans le coin, elles contribuent à cette activité avec une façon bien à elles. Parce que pendant l'été, en alpage, elles piétinent le sol, ce qui renforce la végétation, ce qui permet à la végétation de mieux prendre racine. Et du coup, eh bien, la neige, elle tient beaucoup mieux au sol en hiver. Donc, on peut faire du ski. Tu savais ça? Non, Cyril, merci pour l'info. Eh ben écoute, je trouve ça génial. Professeur Cyril est ravi de ce petit cours d'alpage et de vache. Merci. Et qui dit vache dit lait, qui dit lait dit fromage, et qui dit fromage dit Bonneval et peut-être la capsule. Et peut-être une fondue. Est-ce que je te donne pour information que le bleu est en route pour Bonneval lui aussi? Oh oui, tu peux me la donner l'information. Bon ben voilà, tu l'as. Ça me motive encore plus. Allez, à tout de suite Charlotte, je t'attends à Bonneval. À tout de suite Cyril. Mais le bleu aussi.
c'est somptueux. On s'y dirait vivre. Oh bah oui, hein, c'est une petite vallée fort sympathique. Ah, exactement. Un petit chalet, là. Hop. Un petit chalet, du bon fromage, une belle vue. Que demander le peuple? Oh, un hélico quand même. Ah oui. Pour cette énigme, on traverse donc toute la vallée de la Maurienne et on est en train de survoler Bessan. Au cœur de la Haute-Maurienne, regardez, un diable trône sur la place du village. Cette statue rappelle une ancienne querelle du 19e siècle. Pour se moquer du curé du village, un sculpteur l'avait représenté entre les mains d'un diable et avait déposé son œuvre devant l'église. Désormais, le diable a toute sa place dans le village. On en retrouve même un peu partout ici et notamment sur les façades des maisons. Tout va bien ? Très bien. T'as avancé un petit peu du coup sur ton énigme? Tu dois réaliser une déclinaison de recettes. Donc ma première idée, ce serait éventuellement de trouver un restaurant ou un endroit en tout cas où on va pouvoir cuisiner quelque chose. Ça se mange avec quoi? De la fondue, du pain, non? On n'a même pas une petite baguette. Allons voir les bleus qui se posent à Bonneval-sur-Arc. Et prends le petit chemin qui est en face de toi. Ok. C'est parti Ludo, on va tout de suite là. Ok, on va essayer de trouver quelqu'un, le village est juste ici. On va aller vers le village. Pour l'instant, il n'y a personne. Mais bon, on va essayer de trouver de l'information quand même. On y arrive à Bonneval-sur-Arc et c'est bien de ce sublime petit village que provient le bleu de Bonneval. Ici, les maisons les plus anciennes ont été construites au 15e siècle et c'est bien là que se trouve notre capsule. Mais avant de l'attraper, il va falloir la faire, cette fameuse fondue savoyarde. Mais pour l'instant, Najim, contrairement à Charlotte, il ne sait pas que c'est à Bonneval qu'on fabrique le fromage qu'il avait en indice. Bonjour Najim, pour la carte au trésor. Oui. J'ai une énigme qui est la suivante. L'un se distingue par son talon, l'autre est votre destination. Procurez-vous un bon morceau de fromage de chaque pour réaliser une déclinaison de cette recette locale. Oui. Et j'ai ces deux fromages. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a du bleu et du beaufort. Alors le beaufort et le bleu. Oui. Quand on parle de l'un, se distingue par son talon. Lequel des deux se distingue par son talon, d'après vous? Par le talon, je pense, c'est le beaufort. D'accord, très bien. Et où est-ce que je pourrais me procurer un morceau de beaufort ici? À la fromagerie de Bonneval. Qui est juste... Juste là. Juste en face, d'accord. Oui. Et pour le bleu? En face, c'est un bleu particulier? C'est le bleu de Bonneval, on appelle. Le bleu de Bonneval également, oui, d'accord, oui, très bien. Oui. Ah bah superbe. Et que je pourrais trouver également la fromagerie. Voilà. Eh ben, je vais chercher ça tout de suite. Merci. Oui. Allez, c'est parti Ludo, on va à la fromagerie directement. Najim pour Cyril. Oui Cyril. Alors, où tu en es? Alors là, je suis à Bonneval-sur-Arc et je me dirige vers la fromagerie. La personne que j'ai rencontrée m'a dit que le beaufort et surtout le bleu, il y avait un bleu de Bonneval. Ah bah voilà, donc t'avais pas rêvé. Il y a donc bien un fromage qui s'appelle le bleu de Bonneval. Bonjour Madame Najim pour la carte au trésor. Oui. Voici mon énigme, je vous montre tout de suite. L'un se distingue par son talon, l'autre est votre destination. Procurez-vous un beau morceau de chaque pour réaliser une déclinaison de cette recette locale. Et j'ai avec moi, en l'occurrence, un beaufort j'imagine et un bleu. Et vous le savez... bleu de Bonneval. D'accord. Est-ce que je peux avoir un bon morceau de chaque? Oui, bien sûr. Superbe. Donc ça c'est le bleu de Bonneval, c'est vraiment une spécialité d'ici. Oui. D'accord, très bien. De la coopérative Haute-Maurienne Vanoise. Ah, tu as trouvé un morceau de bleu. Et également un morceau de beaufort. Bon, bah j'ai l'impression que t'es bien parti avec tous tes fromages. Allez, à tout à l'heure et attention, le chrono tourne, il te reste 4 minutes. Est-ce qu'avec du beaufort et du bleu, on peut faire une fondue? Tout à fait. Oui. Et où est-ce qu'on pourrait faire cette fondue en particulier dans la vallée? Est-ce qu'il y a un endroit particulier où je pourrais faire une fondue? Parce qu'il faut que j'aille maintenant donner ces morceaux à un endroit particulier pour réaliser cette recette locale. D'accord. Alors, je pense qu'au cœur du village de Bonneval, vous devez trouver... Vous trouverez votre bonheur. Oh là là. Et le cœur du village est pas loin, je peux y aller à pied? Oui, vous pouvez y aller à pied. Ah super, merci. Merci madame. Regarde, bonne balle, c'est là. Le bleu déjà là, je vais te poser vers lui, d'accord? D'accord. Ah là là, je l'ai vu courir là. Il a trouvé un truc, je le sens. Najim pour Cyril. Oui Cyril. Je te vois courir avec tes deux morceaux de fromage. Il y a le bleu de Bonneval et le beaufort que je viens de trouver. Et a priori, au centre du village, il y a un endroit pour faire cette fondue savoyarde. Donc je me dirige directement vers le centre du village et j'espère vite trouver cette capsule. Écoute, en tout cas, tu as la main chanceuse parce que tu avais tenté un coup de poker en traversant la vallée et en venant vers Bonneval, en te rappelant vaguement que tu avais entendu parler d'un fromage qui s'appelait comme ça. C'est exactement ça. En revanche, les rouges arrivent, ils viennent de se poser à Bonneval eux aussi. Eh ben écoute, Cyril, je me dépêche. Allez, y a pas une seconde à perdre. Bonjour Charlotte de la carte au trésor. J'ai une énigme à résoudre qui signifie que je dois me rendre quelque part pour faire une recette avec mes fromages.
Ouais. Éventuellement de la fondue. Est-ce que vous pensez qu'à quelque part où il faut cuisiner de la fondue, s'il vous plaît? Ici? Oui. Dans les restaurants? Est-ce qu'il y en a un qui vous dit quelque chose? À l'auberge Joule. Vous voulez m'emmener? Oui. Ben, on y va tout de suite. Allez vite. Vous allez en courant? Allez. Ah, c'est à pied? Ah oui, c'est à pied. Ah, le centre Juvillage. Oh, bah c'est parfait. Ah, Najim, j'ai l'impression que ça commence à sentir la fondue. Oui, Cyril. Najim pour la carte au trésor. Effectivement, je vous attendais. Ah, bah c'est super. Ah, alors voici... Bon. Comment vous vous appelez, monsieur? Alors, Pierre Gagnère. Pierre Gagnère. Donc, je vous attendais pour terminer ma fondue. Il s'appelle Pierre Gagnère, voilà, comme le grand chef. Exactement. Et le bleu de Bonneval. Eh bien, écoutez, tout est là. Mais c'est l'homonyme du Pierre Gagnère qu'on connaît, en fait. C'est l'homonyme du Pierre Gagnère qu'on connaît, je pense. Exactement. Donc, super. Je termine ma fondue avec votre fromage. Et donc, maintenant que vous avez fait la fondue, est-ce qu'il y a un endroit particulier où je devrais aller? Parce écoutez, que je cherche cette capsule. C'est sur la place. Ok, ok, merci beaucoup, monsieur. Alors, elle est où, cette capsule? Ah bah maintenant, il faut chercher. Elle est quelque part sur la place. Sur la place. Vous préférez? Les rouges sont en train d'arriver dans le village et ils ont déjà leur morceau de fromage, les deux morceaux. Attention, c'est celui qui trouve la capsule. Tu l'as? Montre-la-moi. Stop chrono, Najim. Victoire des Bleus pour cette deuxième énigme ce soir. Najim, tu as fleuré bon le fromage, même à distance. Bravo à toi, tu as mérité ta capsule et ta fondue savoyarde. Super, dis donc, là cette capsule. Merci à tous les amis de Montpellier, c'est pour vous celle-ci, c'est pour vous. Alors, Najim, tu peux retourner voir Monsieur Pierre Gagnère, le chef. Exactement. Demande-lui qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette recette ici. Qu'est-ce que le bleu de Bonneval apporte à la fondue savoyarde? Le bleu de Bonneval peaufine un petit peu et il approfondit un petit peu le goût. Il est un petit peu plus fort que le Beaufort. D'accord. Donc c'est très très bien. Oh, il ne faut pas en mettre beaucoup, forcément, mais c'est très très bien. C'est un plus à la fondue. Eh bien écoutez, j'espère. Le Beaufort et le bleu de Bonneval. Eh bien on a hâte de le déguster. Voilà. On a hâte de goûter ça en tout cas. Allez, je vais me connecter, Najim, tout de suite avec Charlotte pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Charlotte pour Cyril. Oui. Charlotte, je te vois courir dans les rues de Bonneval et c'est trop tard malheureusement. J'ai perdu. Il avait un peu d'avance. Il est arrivé sur la place du village. Il a bien remis ses deux morceaux de fromage. D'un côté le Beaufort, de l'autre côté le bleu de Bonneval. Puisqu'effectivement c'est bien ici qu'il fallait faire cette fondue savoyarde pour gagner la capsule. Ah bah c'est super. Le match est relancé, une capsule partout. Ça va être terrible pour la troisième. Tu vas te venger, c'est ça? Oh oui, c'est vrai. Il a osé te passer devant. Il ne faut pas mettre la candidate rouge en colère. Ah non. Allez, moi je vais me poser, on va se retrouver tout de suite pour donner le top départ de l'énigme 3. Je suis pas contre un petit morceau de fondue quand même. Hein. Mais figure-toi Cyril que nous on y est et on va pas se priver. Ah bah justement, reprenez des forces parce que vous en avez encore besoin. Il y a encore une troisième énigme, une rose des vents et un trésor. Oh là là. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Notre aventure en Maurienne se poursuit dans un instant, mais attention, voici votre dernière chance, les amis, de décrocher 10 000 euros dans 5 minutes à peine. 10 000 euros offerts à un téléspectateur ou une téléspectatrice dans 5 minutes en répondant à la question que voici. De quelle spécialité nous parlait l'énigme précédente? 1. De la fondue savoyarde. 2. Du bœuf bourguignon. Vous avez la bonne réponse? Alors pour gagner 10 000 euros tout de suite, envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 73003 ou appelez le 3243. Tout le monde a sa chance. Le tirage au sort qui fera de vous le gagnant des 10 000 euros, c'est dans 5 minutes. Bonne chance! Alors les amis, nous voilà de retour au sol, on est à Aussois et c'est la première victoire des Bleus, bravo à toi Najim. Merci Cyril. Première capsule, premier indice pour retrouver la rose des vents. Alors est-ce que cette capsule, elle sent bon le bleu de Bonneval et la fondue savoyarde? Je sens pas trop le fromage, par contre je sens la victoire et le soulagement de l'avoir eu cette capsule, après avoir raté la première. Alors Charlotte, t'es arrivée un peu trop tard, oui. Mais t'as quand même eu droit à ta part de fondue toi aussi. Je l'ai raté de peu, mais effectivement la fondue était encore chaude et elle était vraiment excellente. Bon, ça c'est super. Bah, j'espère que ça va te donner la niaque pour remporter cette troisième énigme. Deux fois plus. Depuis le début de l'émission, vous me dites que vous en prenez plein les yeux dans cette nature magnifique. Je voudrais vous rappeler à vous tous à la maison que l'ensemble des émissions carbone de nos hélicoptères produites sur le tournage sont entièrement compensées puisque nous nous sommes associés à une entreprise à vocation sociale qui participe au reboisement en France et dans le monde entier de zones qui en ont besoin. C'était important de vous le signaler ce soir encore. On la découvre, cette troisième énigme? Je vous rappelle que c'est votre dernière chance de décrocher un indice supplémentaire pour la rose des vents. La carte trésor dans la vallée de la Maurienne, ça continue tout de suite. Allez, turbiner à 360 pour retrouver Benoît.
et Benoît, le voici. Charlotte, voici ton indice et ton énigme. Bonne chance à toi. Najim, voilà pour toi. Merci, bonne chance à toi aussi. Merci. Et pour retrouver cette troisième capsule, vous avez 30 minutes. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top chrono. Allez. Allez, Olivier. Toujours feu, Ludo. Allez, c'est parti. Aller turbiner à 360 pour retrouver Benoît. Et le Benoît, c'est lui. D'accord. Donc là, tout de suite, je pense à une turbine pour des centrales hydroélectriques. Et c'est la région quand même montagneuse, donc forcément, il y a des centrales hydroélectriques. C'est ce que j'ai vu également dans mon carnet de route. Du coup, Rod, c'est bon, j'ai ma troisième énigme, donc je te la lis. Aller turbiner à 360 pour retrouver Benoît. D'accord. Tu vois. Et j'ai également une photo. Ça va m'aider à le retrouver. Derrière lui, il y a une montagne, donc on va essayer de se diriger vers des hauteurs. Du coup, j'ai hésité entre plusieurs endroits. Puisqu'il y a marqué turbiner, je pense que c'est une turbine. J'ai vu que les pictogrammes étaient des centrales hydroélectriques. Et il y a plusieurs centrales hydroélectriques sur mon carnet de route. Notre énigme nous demande de turbiner pour retrouver Benoît. Alors si on parle de turbine, c'est qu'a priori il y a une histoire d'eau quelque part. Eh bien ce que je peux vous dire, c'est qu'on va s'intéresser à une source d'énergie qui a bien contribué au développement de toute la vallée de la Maurienne. Vous avez une idée? Hashtag la carte au trésor pour nous le dire. Je vais plutôt aller chercher de l'information à Aussois plutôt que de m'envoler sans savoir où aller et voir si une personne connaît une centrale ou même directement ce fameux Benoît. Ça serait encore mieux. Et une fois que j'aurai ça, j'y sais, je reviens à l'hélico et je te donne une destination. Eh bien, on fait comme ça, il n'y a pas de problème. Najim, pour Cyril. Oui, Cyril. Allez turbiner à 360 pour retrouver Benoît. Alors, que t'inspire cette histoire de turbine? Bah écoute, une turbine, ça me fait directement penser aux centrales hydroélectriques et aux turbines que l'on fait tourner pour avoir de l'électricité. Et je vois qu'il y en a pas mal dans la région, des centrales hydroélectriques. Alors c'est vrai, il y en a plusieurs sur ta carte de jeu, hein. Bramant, Avrieux, Bissorte, etc. Exactement, donc là c'est compliqué à savoir laquelle choisir. Dans mon carnet de route, il n'y avait pas une en particulier qui m'inspire. Et pas de photo de Benoît, bien entendu, dans mon carnet de route. Donc je suis à Aussois, je vais rester à Aussois et prendre de l'information à Aussois avant de décoller. D'accord, donc tu essaies de trouver un conducteur, c'est ça? Exactement. Ou une voiture qui passe dans le coin. Ou directement quelqu'un qui travaille dans une centrale et qui connaisse Benoît, ça sera encore mieux. Allez go, c'est parti pour l'énigme 3, bonne chance. Merci Cyril, à bientôt. Salut Najim. Allez c'est parti, on va chercher de l'info directement. Charlotte pour Cyril. Oui Cyril. Alors on te demande de turbiner à 360 pour retrouver Benoît. Benoît, oui. On a sa photo, d'accord. Mais qu'est-ce que ça t'inspire la turbine? La turbine, bah, ça m'inspire éventuellement une centrale hydroélectrique. Oui. Donc qui serait en fonctionnement grâce à la force de l'eau. Et cette histoire de 360? Ben, j'espère qu'on va pas me demander d'aller dedans, mais faire un tour, je ne sais pas encore le 360. Du coup, Cyril, j'ai hésité à aller au lac du Mont-Cenis pour pouvoir trouver les turbines. Mais finalement, je vais m'orienter vers Bramant, puisqu'il y a plus de chances qu'elles soient au niveau de la centrale qui se trouve sur la commune de Bramant. Alors effectivement, si le lac du Mont-Cenis sert par exemple de réserve et qu'après toute cette eau file en direction de Bramant, d'Avrieux et des centrales hydroélectriques qui sont un petit peu plus bas, je pense que les turbines, tu les trouveras plutôt en bas. C'est ça, et peut-être Benoît. Allez, je te laisse investiguer du côté de Bramant, à tout à l'heure. Merci Cyril. Bon vol à toi. Tu sais que j'aime pas perdre Olivier. Je vois qu'il y a des personnes là-bas, j'espère qu'elles sont du coin, sinon on va redescendre un peu plus bas et chercher une voiture et aller directement à Aussois. Bonjour, est-ce que vous connaissez les centrales hydroélectriques du coin? Bonjour madame. Bonjour. Je vais vous poser directement l'énigme. C'est aller turbiner à 360 pour retrouver Benoît. Eh? Et Benoît est cette personne. D'accord. Est-ce que vous la connaissez? Non, je ne connais pas cette personne. Est-ce que vous reconnaissez un peu le paysage aux alentours? Une sorte de tunnel avec des montagnes derrière. Ça vous parle? C'est peut-être la centrale de... De l'Onera. De l'Onera, la centrale de... L'Onera. La soufflerie, c'est ça? La soufflerie. Qu'est-ce qui pouvait penser à ça exactement? C'est par rapport à la montagne derrière? Ouais. D'accord. Donc l'Onera potentiellement. C'est Benoît Sarry. Benoît Sarry. Oui. Sûr, Benoît Sarry. Benoît Sarry. Vous pouvez montrer rapidement où c'est? Là où? C'est Avrieux. C'est Avrieux. Alors il faut que j'aille en voiture. On peut y aller? On peut monter? Allez, allons-y, super. Merci. Si on peut se dépêcher, c'est parfait. Merci madame. Super. Merci beaucoup. C'est bon pour toi Ludo? Allez go. Ah, j'en prends plein les yeux. Hein, Olive, c'est beau.
T'es prêt? T'es au taquet? Celle-là, elle est pour nous. On laissera pas le bleu gagner, c'est hors de question. Pas cette fois. Najim pour Cyril. Oui, Cyril. Tu as trouvé une voiture? J'ai trouvé une voiture qui m'emmène en direction de l'Onera. Car Camille, qui conduit... Bonjour Camille. Ici Cyril Ferraud vous dit bonjour. Bonjour Cyril. Bonjour, bienvenue dans la carte au trésor, Camille. Et donc, ses amis et Camille ont reconnu le site de l'Onera, qui est proche d'Avrieux, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et ce fameux Benoît, ils l'ont déjà vu là-bas, travailler en tout cas à l'Onera. Ah, ils ont quand tu dis ils ont reconnu le site de l'Onera, c'est-à-dire la photo, ce qu'il y a derrière la photo de Benoît. Exactement, ils ont reconnu les deux. Ah bah ça, c'est plutôt chanceux. Autre information intéressante, Cyril, oui, c'est que l'Onera est un site très bien gardé et qui normalement est fermé au public. Et c'est ce que j'ai lu dans mon carnet de route. Donc j'espère quand même que c'est la bonne direction et que ça sera ouvert au moins pour la carte au trésor. Tu te dis que le site est tellement bien gardé qu'il renferme peut-être la capsule. J'espère, mais j'espère aussi qu'il va nous laisser rentrer et que ce Benoît va être mon passe-droit vers la capsule. Alors n'oublie pas un truc, Najim, c'est dis-moi. Que ton énigme te dit « aller turbiner à 360 ». Oui. C'est pas pour rien, on te parle de 360. Est-ce que tu as une petite idée? 360, bah 360 degrés, ça peut faire penser donc voilà à soit une caméra 360 ou des choses en tout cas qui se passent dans les airs. Et à l'Onera, quand j'ai lu mon carnet de route, ouais, c'est une énorme soufflerie pour des avions supersoniques type le Concorde, etc. D'accord. Donc 360 degrés pour des avions et pour une soufflerie qui tourne à 360, ça colle pas mal d'après moi. Donc ce serait 360 degrés. C'est ce qui me semble être le cas en effet. Eh ben, c'est ce que je te laisse aller vérifier du côté de l'Onera. Merci Cyril. On va passer par le village d'Avrieux avant d'aller à l'Onera. Oui. Ok, très bien. Donc si on croise voilà, après, personne, si on peut faire un petit tour vers le centre-ville, ouais, avant d'aller à l'Onera pour que je puisse rencontrer des personnes et prendre... Ouais, après l'Onera, c'est juste après le pont là-bas, hein. C'est vraiment pas loin. Ok, ok, ok. C'est un petit peu joli. C'est un petit peu pas mal. Et voilà, on voilà, arrive directement sur Bramant. Regarde, je vais te poser à gauche. Tu vois la route du village là qui va vers le village. Là, je vais te poser juste à côté de la route et des boutons sur ta gauche. Sur ok, ta gauche. Ok, d'accord. L'hydroélectricité a permis le développement de la vallée de la Maurienne. À partir du XXe siècle, on l'a exploité pour produire de l'électricité pour l'industrie de l'aluminium notamment. Il faut dire qu'ici, l'eau ne manque pas. Aujourd'hui, en Maurienne, 4 grands barrages et 17 centrales produisent l'équivalent de la consommation d'une ville d'1 300 000 habitants. C'est l'un des bassins les plus importants de France. Allez Olivier, je vais tout de suite essayer de trouver quelqu'un pour qu'il m'emmène à la centrale. Allez, on va directement demander de l'information, je ferme la porte quand même. Bonjour monsieur. Oui, Najim pour la carte trésor. J'ai une énigme pour vous. Allez turbiner à 360 pour retrouver Benoît. Et le Benoît, c'est cette personne-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce Benoît, vous le connaissez? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que vous connaissez l'endroit qui est derrière Benoît? On m'a parlé de l'Onera, mais est-ce que ça vous parle ou c'est un autre endroit? La chapelle Saint-Benoît, voilà, la cascade Saint-Benoît. Cascade? Il y a une centrale là-bas? Non. Il n'y a pas de centrale, d'accord, il n'y a qu'une cascade. Très bien, donc ça ne doit pas être là. Najim pour Cyril. Oui Cyril. Est-ce que tu as trouvé de l'information, Najim? Pour l'instant, non pas vraiment, mais je vois qu'il y a une autre personne. Donc je vais peut-être aller demander à une autre personne dans le village. D'accord, mais tu as montré la photo de Benoît. J'ai montré la photo de Benoît, mais la personne ne la connaît pas. Ah bah je te laisse chercher. Tu as vu que la rouge, elle a repris son hélico, elle. D'accord. Donc tu n'avais pas la même stratégie. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Bon bah c'est pas grave, j'ai une autre information, merci. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ah là-bas. Monsieur, excusez-moi. Attendez. Je m'appelle Charlotte, bonjour. C'est pour la carte au trésor, vous êtes du coin? Oui. Bonjour, Charlotte de la carte au trésor. Bonjour. Je cherche la centrale, s'il vous plaît. La centrale hydroélectrique, vous savez où elle est? Ah ouais, alors faudra repartir un petit peu. Est-ce que vous pouvez m'emmener? Ah oui. S'il vous plaît. Ouais. On y va? Allez. Allez, c'est parti. C'est possible? Ouais. Merci. C'est quoi votre prénom? Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, super. Merci beaucoup. Et vous, votre prénom? Anselme. Anselme, donc j'ai Anselme et Pierre-Antoine qui sont là pour m'aider. Bonjour madame, madame. Bonjour madame, c'est pour la carte au trésor. Voilà mon énigme. Allez turbiner à 360 pour retrouver Benoît. Et le Benoît en question, c'est cette personne. Est-ce que vous la connaissez? C'est mon mari. C'est votre mari? Oh, ben c'est superbe. Est-ce que vous savez où il est actuellement? Il est au col du Mont-Cenis. Est-ce qu'on peut y aller en voiture ou en hélico? Ça a combien de temps en voiture? Il y a un chat, il y en a pour 40 minutes. 40 minutes? Ok, d'accord, bon, on y va en hélicoptère directement. On va aller du côté d'Italie là-bas. Najim pour Cyril. Oui, tu es tombé sur la femme de Benoît? Je suis tombé sur la femme de Benoît également. Exactement, oui. Mais dis donc, t'as une bonne étoile toi? T'as fait un truc ou. C'est incroyable. Vous appelez comment madame? Magali. J'allais te demander, est-ce que tu es sûr que c'est bien sa femme? C'est bien votre mari, on est d'accord? Oui, c'est mon mari. Oui, c'est bien son mari. Vous me disiez qu'il était au barrage de Mont-Cenis. Ouais, du col de D'accord, du col de Mont-Cenis. Alors, qu'est-ce qu'il fait Benoît dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait Benoît dans la vie, madame? Il est barragiste. Barragiste? C'est-à-dire? C'est-à-dire barragiste?
Il s'occupe des turbines du Mont-Cenis, tout ce qui est barrage au niveau des lacs du Mont-Cenis. Et Najim, j'ai une autre question moi. Aller turbiner à 360 pour retrouver Benoît, est-ce que Magali, qui est la femme de Benoît, peut t'indiquer à quoi ça correspond? Est-ce que c'est 360 degrés comme tu imaginais? Turbiner à 360 d'après vous, c'est par rapport à 360 degrés ou c'est autre chose 360? C'est le paysage qui est à 360. D'accord, une fois au barrage de Mont-Cenis, on voit à 360 degrés. Le paysage, voilà. D'accord, très bien. Donc la turbine de Mont-Cenis, où on voit à 360 degrés de là-bas. Ouais. Merci encore. Bon courage à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Ok, super info là. Allez, je te laisse reprendre ta voiture direction l'hélico, Najim. Pour cette énigme, on va s'intéresser à l'énergie hydroélectrique. Ils ont raison. Autrement dit, l'électricité fabriquée à partir de l'eau. Et le Benoît, que nous recherchons, est bien barragiste. C'est-à-dire qu'il est chargé de l'entretien et de la surveillance d'un barrage. Pour le retrouver, eh bien, l'énigme nous dit qu'il faut turbiner à 360. Mais il se trompe, ça n'est pas 360 degrés, mais plutôt 360 mégawatts. Il y a effectivement plusieurs centrales hydroélectriques dans la région, mais une seule centrale qui peut produire 360 mégawatts quand elle est à pleine puissance. Et c'est bien dans cette centrale de Villarodin, pour laquelle travaille Benoît, qu'on aurait pu leur dire précisément où ils se trouvent. Est-ce que vous pouvez me ramener à l'hélicoptère? Ah super, je vous remercie, c'est super Camille, merci beaucoup. Faites attention aux limitations de vitesse, mais si on peut juste être à la limite, c'est parfait. Ouais, pas de soucis. Merci beaucoup, super. Mon énigme, c'est aller turbiner à 360 pour retrouver Benoît. Est-ce que ça vous parle cette énigme? Et j'ai une photo, donc peut-être que c'est une connaissance du coin. Non. Ah mais là on dirait que c'est celle du Mont-Cenis derrière, mais c'est à Bramont. Moi je dois trouver ce monsieur à l'endroit où il est là, donc si vous me dites que... Ah, c'est au même endroit. Oui, oui. Ouais. Ça vous fait penser à quoi? Dites-le, j'ai un livre, je peux trouver des informations dedans, j'ai un carnet de route. On dirait le col du Mont-Cenis. On dirait le col du Mont-Cenis, ok. Là, c'est un peu plus loin quand même. Là. J'ai un hélico, hein. Attention, je suis équipée. Et à cet endroit-là, vous devez aller? Allez turbiner à 360 pour retrouver Benoît. Et il y a quoi d'autre? J'ai que ça. Est-ce que vous aussi, ça vous dit quelque chose, la photo? Ouais, c'est pas ici, quoi. C'est pas ici, c'est sûr? Ouais. Est-ce que vous pouvez me ramener à mon hélico? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, du coup, je change d'avis. C'est pas ici. L'hydroélectricité, c'est une énergie très réactive. On peut mettre en marche une centrale en moins de 5 minutes selon les besoins. Cette flexibilité n'est pas son seul avantage puisque la production hydraulique est avant tout la plus importante des énergies renouvelables. En France, elle représente environ 10% de l'électricité que nous consommons. C'est la deuxième source de production après le nucléaire. J'y sais, on va directement au barrage de Mont-Cenis. C'est là où barrage de Mont-Cenis. Exactement, c'est là où je trouverai Benoît qui est barragiste là-bas. On va aller voir s'il y a de l'eau. Je suis tombé, je disais, figure-toi, sur la femme de Benoît. Ah, t'es comme ça, toi, direct. Directement, c'est plus facile à avoir l'information par là. Et j'espère que la candidate rouge n'a pas eu la même information que moi, là. Allons-y vite. Charlotte, pour Cyril. Oui, Cyril. Alors, quelle information tu as eue? Alors, écoute, Cyril, j'ai eu énormément de chance quand je suis arrivée. J'ai tout de suite eu deux jeunes hommes très gentils. Ils ont tout de suite reconnu le lac du Mont-Cenis. Du coup, on est revenu aux hélicos. Et je pars directement vers le lac du Mont-Cenis. Je leur fais confiance. Ce serait le lac qui est derrière Benoît. On voit pas bien parce qu'on voit surtout de la neige c'est derrière. C'est très enneigé, voilà. Ok, donc c'est visiblement très reconnaissable. Voilà. Donc tu récupères ton hélico et tu prends la direction du lac du Mont-Cenis. Exactement. Est-ce que tu sais à quoi correspondent les 360 de ton énigme? Je vais voir s'il faut que je fasse le tour de quelque chose à 360 degrés peut-être. On va regarder. En tout cas, tu penses que c'est vraiment là-bas que tu vas pouvoir le retrouver? On verra bien. J'ai une petite information pour toi, Charlotte. Oui. Tu n'es pas la seule à avoir de la chance. Parce que d'accord. Figure-toi que Najim, il n'a pas pris la même destination, mais il est tombé sur la femme de Benoît. Ah là, carrément la femme? Oui, la femme de Benoît. Bah voyons. C'est quand même un truc de fou. Oui. Ça veut dire que ça va être une course-poursuite. Eh ben, je suis prête, merci. Allez, fonce, direction merci. Le lac du Mont-Cenis. Allez, bon, on est parti. Depuis plus d'un siècle, on a construit plusieurs centrales électriques dans la vallée de la Maurienne. Mais si les technologies ont bien évolué avec le temps, le principe, lui, reste le même. Regardez, explication. Sur la vallée de la Maurienne, aujourd'hui, on compte 17 centrales hydroélectriques pour une puissance installée qui permet d'alimenter une ville comme Lyon plus Marseille. L'hydroélectricité, c'est tout simple. On produit de l'énergie électrique grâce à la force de l'eau. Les barrages d'altitude en Haute-Maurienne sont environ à 2000 mètres d'altitude. Et les centrales hydroélectriques
se situe à environ une altitude de 1000 mètres. Cette différence d'altitude entre les barrages et les centrales nous permet d'avoir une forte puissance, comme une cascade d'eau. Cette puissance hydraulique permet de faire tourner les turbines. Il faut savoir qu'une turbine, c'est comme un moulin à eau. Et cette turbine entraîne un alternateur qui permet de fabriquer de l'électricité qu'on injecte ensuite sur les lignes électriques. L'énergie hydroélectrique, elle est très réactive. On ouvre les robinets, on turbine, on a de l'électricité. C'est une énergie décarbonée. C'est la première énergie renouvelable en France. Cette énergie est complémentaire des autres moyens de production. Elle peut prendre le relais quand, par exemple, il n'y a pas de vent pour les parcs éoliens ou pas de soleil pour le photovoltaïque. Ici, en Haute-Maurienne, on a des centrales récentes qui permettent à la fois de turbiner pour faire de l'électricité, mais de réutiliser cette eau, de la restocker en altitude par un moyen de pompage. Grâce à ce fonctionnement, on peut réutiliser l'eau indéfiniment et produire de l'électricité. Allez, retour au jeu, on va voir où en sont les bleus. Najim pour Cyril. Oui, Cyril. Est-ce que tu te rends compte quand même de la probabilité de chance qu'il y a pour tomber sur la femme de Benoît? Ah, mais c'est une chance inouïe. Mais t'es comme inouïe. Ça dans la vie, toi? Ah, je sais pas si j'ai cette chance toujours, mais là, en tout cas, pendant la carte au trésor, je suis content de l'avoir. Ah bah, tu m'étonnes. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, tu vas au barrage du Mont-Cenis parce que tu sais qu'il est là-bas, Benoît. Oui. C'est sa femme qui te l'a dit. Exactement. Il travaille là-bas actuellement et sa femme, Magali, elle me disait que Benoît travaille actuellement au barrage de Mont-Cenis. Alors, comme évidemment, tu n'étais pas censé croiser la femme de Benoît, je vais quand même t'expliquer un truc. Dis-moi. Dans ton énigme, on te parlait de turbiner à 360. Oui. La femme de Benoît, Magali, t'a expliqué qu'il s'agissait d'une vue à 360 degrés. Exactement. Ah bah tu sais quoi, c'est pas du tout ça. Ah. C'était 360 mégawatts. Ah. Pourquoi? Parce que figure-toi que ce lac du Mont-Cenis, il alimente plusieurs centrales hydroélectriques de la région. D'accord. Mais surtout une qui s'appelle la centrale de Villarodin. Et les turbines de cette centrale de Villarodin, lorsqu'elles sont à pleine puissance, elles peuvent délivrer jusqu'à 360 mégawatts. D'accord. Et ben voilà. Alors en fait, il aurait fallu aller d'abord à Villarodin, qui est la centrale dans laquelle travaille Benoît. D'accord. Et on t'aurait ensuite envoyé au lac du Mont-Cenis. Ah. Mais comme tu es tombé sur Madame Benoît, et ben voilà, tu vas directement à la fin de l'énigme. Eh bien c'est parfait, je fais un petit raccourci et ça va me rapprocher de la capsule avant la candidate rouge. Eh ben sauf que la candidate rouge, elle a la même info que toi. Ah mince alors. Sans être tombé sur la femme de Benoît, donc ça va être un sprint final. Oh là 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 là, bon bah j'espère arriver avant elle. On se reconnecte une fois arrivé là-bas, à tout à l'heure Najim. À tout à l'heure Cyril. Charlotte pour Cyril. Oui Cyril. Je suis juste à côté de toi, regarde. Je te vois, coucou. Je t'ai laissé la priorité. En revanche, il va pas falloir laisser la priorité au bleu parce que lui aussi il part en direction du lac du Mont-Cenis. Je vais quand même t'expliquer quelque chose qui ne va oui. pas changer le cours de l'histoire, c'est que l'énigme te disait d'aller turbiner à 360. Oui. En fait, 360, c'est 360 mégawatts. C'est la puissance maximale que peuvent fournir les turbines d'une centrale électrique qui est celle de Villarodin. Et Villarodin, c'est la centrale où travaille Benoît, figure-toi. D'accord. Donc toi, tu sais que Benoît est du côté du lac du Mont-Cenis, donc tu vas directement là-bas, comme le bleu. En fait, vous avez sauté une étape, tous les deux. C'était l'étape de passage à la centrale de Villarodin. Mais c'est ah, pas mince. Grave, l'important, c'est d'aller voir ce lac et d'aller récupérer cette troisième capsule. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Oh punaise, je vois l'hélicoptère rouge juste derrière nous. Ouh, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Ok, JC, est-ce qu'on arrive bientôt au barrage de Mont-Cenis là? Bah, regarde devant toi. Ah, c'est juste en face? Ouais, c'est oh, ça. Superbe, superbe. Et on pourra se poser pas loin, c'est ça hein? Alors en fait, là, compte tenu de la montée qu'on vient de faire et des vents qu'on a, ouais. je pense qu'on va avoir un petit peu de mal à se poser. Ah mince. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent là. Ok. Donc ce que je te propose, c'est que pour le moment, on va voir. Je te montre quand même. Le lac. Le barrage et le lac. Ouais. Oh, magnifique. Et après, on va faire demi-tour et je vais te reposer. On a un point de posée qui est juste en dessous dans la vallée là. En dessous dans la vallée, ouais. D'accord. Donc il faudra que je trouve une voiture pour venir jusqu'ici. Il y a des chances que si tu me fais à pied, ça va être tendu. Eh ben écoute, à pied ça va être tendu en effet. Eh ben je vais trouver une voiture alors. On fait comme ça, JC. Merci. Magnifique barrage en tout cas. Là, il est immense. Immense. Charlotte et Najim pour Cyril. Oui, oui Cyril. Alors vous deviez tous les deux vous poser ici à proximité du lac du Mont-Cenis. Vos pilotes vous ont expliqué la situation, il y a trop de vent. Oui. Okay. Voilà, donc ce ne serait pas des conditions de sécurité optimales. D'accord. Donc en fait on va vous déposer un petit peu plus loin à la zone de dépose la plus proche du okay. lac du Mont-Cenis, là où on pourra se poser sans aucun problème de sécurité. Et après j'ai envie de dire que le meilleur ou la meilleure gagne. Vous avez ouais. la même info, vous allez au même endroit, ça va être un sprint final. À mon avis, il va falloir pas tarder à trouver une voiture.
et crier Benoît dans toute la vallée pour le trouver. Par contre, je vais pas m'attarder à trouver une voiture, je vais la trouver le plus vite possible. Ah bah tu m'étonnes. Charlotte, t'es toujours motivée? Oui, je suis motivée à fond, j'attends qu'on se pose pour que je puisse sprinter avec Olivier et trouver Benoît. Najim, tu dois savoir que Charlotte est très en colère que tu aies rencontré Madame Benoît. Oh oui. Ah bah écoute, tu sais, le carnet d'adresse, c'est comme ça, je n'y peux rien. Ah voilà, c'est le carnet d'adresse, c'est les contacts. Il aura trouvé Madame et moi j'aurais trouvé Benoît. Et toi, tu auras peut-être trouvé la capsule avant lui, Charlotte. C'est ça. Allez, bonne chance à tous les deux, les amis. Je vous laisse vous poser en toute sécurité et go direction Benoît. Merci. Merci Cyril, à bientôt. Alors, vous avez compris, ils prennent tous les deux la même direction, celle du lac du Mont-Cenis. Il se trouve sur la commune de Lens-le-Bourg-Mont-Cenis. Il est situé sur un haut plateau à la frontière avec l'Italie, un point de passage très fréquenté autrefois pour relier la Maurienne au Val de Suse. Et c'est d'ailleurs la particularité de ce gigantesque réservoir artificiel. Il alimente à la fois des centrales du côté de la France et du côté de l'Italie. Mais il a aussi une particularité plus étonnante puisqu'il sert également de réserve d'eau pour les canons à neige l'hiver. Regarde le bleu, je vais te poser vers lui. Tu le vois le bleu? Regarde, oui, oui, je le vois. Voilà. On se prépare à reposer. Allez, dis-moi. Je commence à avoir un peu de vie. Najim pour Cyril. Oui, Cyril. Ça va être une course-poursuite. Ok. Vous venez de vous poser tous les deux à Lens-le-Bourg. Fait une petite avance sur l'hélico rouge. Très bien. Qui lui s'est posé quelques secondes à peine après le tien. Ouais. Est-ce que tu vois des voitures quelque part? Oui, je vois une voiture, mais là c'est une camionnette. Il reste moins de 9 minutes pour trouver Benoît et trouver la capsule. Tu sais où aller, il faut aller du côté du barrage et du côté du lac. Bonjour monsieur, Najim pour la carte au trésor. Je dois aller au barrage du Mont-Saint-Cenis, est-ce que vous pouvez m'emmener s'il vous plaît? Au barrage du Mont-Cenis? Ouais. Ou au lac du Mont-Cenis? Au barrage, on va aller au lac du Mont-Cenis, le barrage est au même endroit. Le barrage du Mont-Cenis. Alors on y va, c'est parti, go go go! Je remonte derrière. Go 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 go. Go go go. S'il vous plaît monsieur, s'il quand même. S'il vous plaît hein. Monsieur, go go go. S'il vous plaît mais go go go. Hashtag go go go. La rouge est juste derrière toi. Charlotte pour Cyril. Oui Cyril. Je te vois grimper à la recherche d'une voiture avec Olivier. Oui. Alors le bleu il a trouvé une voiture. Bah oui. À l'instant même. Il faut se dépêcher Charlotte. Ça va être un sprint final. Cyril, oui, je fais de mon mieux. Une fois arrivé là-bas, qu'est-ce que tu vas chercher? Où est-ce que tu veux te rendre exactement? Alors moi j'ai repéré une pyramide sur la photo du carnet de route. Donc je pense que je vais demander qu'on m'emmène là. Je trouve que c'est plus stratégique. Une pyramide? Ouais, sur la photo, une espèce de petite pyramide. S'il vous plaît, bonjour, Charlotte de la carte au trésor. Mais je te laisse attraper un conducteur. Vous avez une voiture ou pas? Eh ben emmenez-moi s'il vous plaît, vite. Bonjour madame, Charlotte de la carte au trésor, c'est oui, votre voiture, vous pouvez oui, m'emmener? Si vous voulez. Maman, s'il vous plaît. Vite. Maman, vite. Allez maman, vite, vous devez aller où? Allez maman. Je dois aller au lac du Mont-Cenis. Au lac du Mont-Cenis. Oui. Allez, oh, c'est génial, il y a toute la famille. Bonne route à toi Charlotte. Merci madame. Merci beaucoup monsieur, vous me sauvez la vie. Et vous appelez comment, dites-moi? Sébastien. Sébastien, bonjour Sébastien et encore merci. Donc oui, je dois aller au barrage du Mont-Cenis. Au bout du lac, exactement, c'est exactement ça. Eh ben écoute, on est parti. Je dois rejoindre un certain Benoît, est-ce que ça vous parle? Ah, ça me dit rien du tout. Bon, c'est pas grave. Bon, par contre, là où on va, ça me dit quelque chose. Ah bah c'est super, merci beaucoup monsieur. Vous êtes du coin? Je suis d'ici, oui. Alors c'est parfait, vous connaissez les routes de montagne, on va pouvoir aller à vitesse de croisière. Il y a ma concurrente rouge qui est juste derrière moi, ah oui, qui cherche une voiture, qui l'a peut-être trouvée et qui va au même endroit que moi. Ah. Donc c'est vrai que si vous êtes un pilote dans les règles de l'art de la circulation, ça serait parfait. Je suis persuadé qu'on va arriver avant elle. Super, je vous remercie monsieur. Charlotte pour Cyril. Oui Cyril. Vous êtes combien dans la voiture Charlotte? On est quatre. Il y a Magali et il y a Marine. Marine, alors tu pars en direction du lac du Mont-Cenis. Oui. Mais une fois arrivé là-bas, où est-ce que tu veux te rendre? Dans cette pyramide que tu as vue, hein, c'est ça? Oui. Ce serait quoi cette pyramide dont tu me parles? Ce serait un restaurant Cyril. Est-ce qu'on a pu t'indiquer Charlotte ce que faisait Benoît dans la vie? Non. On t'a juste dit qu'on reconnaissait ce qu'il y avait derrière. Exactement, j'ai pas eu la chance d'avoir la femme de Benoît. D'accord, donc tu ne sais pas réellement ce qu'il peut faire dans le lac ou autour du lac. Alors arrivé là-bas, il va falloir te renseigner très vite. J'espère qu'on oui, va pouvoir te renseigner sur Benoît. Oui, je vais essayer. Parce que le lac, il est grand. Hein. Je vais essayer, Cyril. Tu l'as vu, tu n'as oui, pas pu te poser. Oui. Tu vas le voir d'encore plus oui, près dans un instant. Mais Benoît, ça doit être quelqu'un de toute façon du coin qui s'occupe éventuellement d'une centrale hydroélectrique. Benoît Sarri? Oui, tu le connais. C'est Benoît. Alors tu as une photo de Benoît? Oui, c'est bon. Magali a reconnu Benoît. Ah, elle le connaît. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Benoît? Il fait quoi dans la vie, Benoît Magali? Il travaille donc au niveau de la marque électricité, surtout au niveau du Mont-Cenis. Très bien. On prend la route du col du Mont-Cenis. Merci. Il reste 5 minutes 30 pour trouver la capsule, Charlotte. Oui. Ça serait trop dommage d'arriver au lac et que tu ne l'aies pas. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Alors Charlotte pense que Benoît est peut-être du côté de la pyramide qui se trouve au bord du lac du Mont-Cenis. Je vais vous la montrer. Cette pyramide, en réalité, c'est un musée. Sa forme rend hommage à la campagne d'Égypte de Napoléon. Ce musée retrace l'histoire de ce col mythique, point de passage entre la France et l'Italie. Mais je vous le dis, il y a peu de chances de trouver Benoît, puisque Benoît, comme il est barragiste, il est où ? Eh bien, sur le barrage, et au bout du barrage, très exactement. Et vous faites quoi dans la vie, Sébastien ? Je suis community manager de Valsony. De Valsony ? C'est un peu... Je suis la personne qui représente très le territoire bien. De Valsony sur les réseaux sociaux. Et c'est une région magnifique. Et j'aimerais bien y faire un peu de vélo par ici la prochaine fois. Bah écoutez, la prochaine fois, maintenant qu'on se connaît un petit peu, je vous emmènerai faire du vélo. Oh, ça serait très gentil. Najim pour Cyril. Oui Cyril. J'ai l'impression que tu organises un peu tes vacances là, c'est ça ? C'est exactement ça. Je suis tombé sur Sébastien qui est le community manager de la ville de Mont-Cenis. Alors, je t'entendais dire que tu avais envie de revenir faire du vélo ici. Ah mais totalement. Et je me suis laissé dire qu'avec les 5000 euros du trésor, si tu les remportes, t'avais envie d'un très très beau vélo. Ah exactement, un très très bon vélo. Pour faire de la montagne et surtout pour faire un tour d'Europe, voire du monde en vélo, c'est vraiment un rêve d'adulte. Combien il coûte le vélo de tes rêves ? Je dirais 4-5 000 euros. 4-5 000 euros, ah bah alors il n'y a pas le choix. Il faut gagner la troisième énigme, la rose des vents et le trésor. Exactement. Il n'y a pas d'autre choix, Najim. Et je suis sûr que la concurrente rouge ne m'en voudra pas de gagner ça. C'est pour un beau rêve. Elle peut pas me faire échapper ça. C'est certain. Je pense même qu'elle va te dérouler un tapis rouge de la même couleur que son hélicoptère jusqu'à la rose des vents. Bastien, allez. On va voir justement comment vous allez vous débrouiller tous les deux une fois arrivés au lac. Est-ce que tu as une stratégie ? Où est-ce que tu comptes te rendre ? Donc je vais directement au barrage. Au barrage du Mont-Cenis. Donc qui est tout au bout du lac. Et j'espère rencontrer Benoît et ne pas trop chercher cette capsule. Eh bien j'espère que tu as la bonne info parce qu'il te reste moins de 4 minutes. Allez, je crois en toi. Merci Cyril. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, de la rien. Réaction. De rien. Action, réaction, comme on dit. Donc il faut que je retrouve ce fameux Benoît. Autour du lac, j'ai vu qu'il était grand, donc il va falloir qu'on soit stratégique. Je le connais bien. Ok. Le voilà, le barrage du Mont-Cenis avec sa digue d'1,4 km. C'est le plus long barrage de France. Lorsqu'il est rempli, ce lac artificiel créé à la fin des années 60 peut contenir jusqu'à 315 millions de mètres cubes d'eau. C'est la troisième plus grande réserve d'eau en France. Et c'est bien sur cette installation titanesque que se trouve le fameux Benoît de notre énigme qui s'occupe de la maintenance de ce barrage. Mais encore va-t-il falloir le trouver avant la fin du chrono. Et il reste à peine 3 minutes. Go, go, go. Najim pour Cyril. Oui Cyril, je t'écoute. Alors Najim, je t'aperçois du côté du barrage du Mont-Cenis. Est-ce que tu vois quelqu'un ? Je vois des gens sur le barrage et je suis en train de descendre à pied. Et est-ce que ces gens ressemblent à Benoît ? Pour l'instant, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire, mais bon. Alors vu des airs, ce barrage il est magnifique, ce lac aussi d'ailleurs. Maintenant, il faut trouver Benoît. Il faut Benoît, j'essaie de le trouver, je vais essayer de traverser ce barrage et essayer de te rencontrer. Et tu sais que la candidate rouge n'est pas très loin derrière toi. Ah, je sais. Alors dépêche-toi. Oui, Cyril. Tu te rapproches des gens ? Oui, je vais rencontrer. Il reste 2 minutes 15 pour trouver la capsule, Najim. Ok, merci beaucoup. Bonjour monsieur, pour la carte au trésor, est-ce que vous avez vu ce monsieur ? Non. Non, merci. Heureusement, tu dis merci à la fin. Ouais, c'est ça. Allez, go, go, go. Où est ce Benoît ? Mais où est Benoît ? Où est Benoît ? Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Charlotte, est-ce que tu vois quelque chose ? Est-ce que tu sais où aller ? Oui, je sais où aller. Pour l'instant, je passe devant une magnifique pyramide. Alors, c'est la pyramide dont tu me parlais depuis tout à l'heure. C'est ça, c'est un restaurant. Est-ce que tu penses que c'est là où Benoît t'attend ? Non, je ne pense pas. Je vais aller vers le barrage. C'est pas exactement un restaurant. Hein. Ah. Je te le dis, c'est plutôt un musée, cette pyramide. Un musée, d'accord. Et moi, je vois depuis les airs un candidat bleu qui est déjà sur le barrage. D'accord. Donc, allez, il faut courir, Charlotte. Je fais le maximum. Allez, c'est jamais perdu. Merci, Cyril. Où en es-tu, Najim ? Benoît ! Ah, j'espère qu'il est pas à l'autre bout. Ça va être compliqué, là. Est-ce que tu vois Benoît ? Non, je vois pas. Benoît, t'es où ? Mais il est où, Benoît ? Benoît ! Il faudrait qu'il t'entende parce qu'il reste peu de temps. Allez, je me dépêche. À peine 1 minute 15 pour trouver la capsule. Ah ! Benoît ! Benoît, t'es où, Benoît ? Tunnel. Fais une pause. Najim, t'es épuisé. On est épuisé avec le caméraman, ouais. Eh oui, on est en hauteur, on est en altitude, donc forcément on manque de souffle. Moins d'une minute, Najim. Une minute. Attention, les rouges arrivent. Ouais, go. Oh, je vais aller jusqu'au bout, hein, j'ai pas le choix. Mais il est loin, le bout. Le bout de ce barrage. Et les rouges sont derrière toi. Yes. Ça fallait s'arrêter là-bas. Vite, Najim. Benoît. Allez, Charlotte, il reste moins de 30 secondes pour trouver la capsule. Ouais, ça va être dur, mais je vais essayer. Allez, Charlotte, allez, Najim. Benoît. Benoît. Benoît, sors de ta cachette. Benoît.
là-bas, c'est où? Ah, là-bas, peut-être. 15 secondes. Il est planqué où? L'entrée, là-bas. 10. Il est là-bas. 9. C'est là-bas, l'entrée. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et c'est perdu, malheureusement. C'est perdu pour toi, Najim, c'est perdu pour Charlotte également. Ça veut dire que vous ne saurez jamais ce que renfermait cette troisième capsule. Ah, punaise. Voilà. Et pourtant, tu es arrivé au bon endroit. C'était bien quelque part ici sur le barrage que t'attendais, Benoît. Il était tout au bout du barrage, Najim. Au bout du malheureusement, barrage. Tu as manqué de temps. Ah, tant pis, c'est pas grave. C'est 50-50, la balle au centre. Exactement. Tu vois, c'était pour relancer le suspense, exactement, en fait. Exactement, exactement. Je vais me connecter avec Charlotte tout de suite. Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Najim n'a pas trouvé Benoît non plus. Mais il est où? Je t'explique, Benoît, il était bien sur le barrage, mais il était à l'autre bout du barrage. Oh, punaise. Alors Najim est arrivé lui aussi, mais il n'a pas eu le temps de traverser le barrage et de trouver Benoît. Ok. Ça veut dire que Benoît, il va garder la capsule en main et tous les secrets qu'elle contient. Allez, je pense que Charlotte, tu peux faire un vrai check à Olivier qui a couru avec toi parce que courir à cette altitude-là, c'est vraiment, vraiment difficile. Alors, on va se retrouver du côté d'Avrieux pour donner le top départ à l'énigme la plus importante, c'est-à-dire celle de la Rose des Vents. Ça marche. A tout de suite, Charlotte. À tout de suite. Notre aventure en Maurienne se poursuit. Dans un instant, le gagnant des 10 000 euros que nous mettions en jeu en début d'émission a été tiré au sort. Mais j'ai une bonne nouvelle. Nous remettons en jeu 10 000 euros tout de suite pour l'un ou l'une d'entre vous pour fêter le retour de la carte au trésor. Alors voici la question à laquelle il faut répondre. Où était cachée la capsule dans l'énigme précédente? 1. Sur un pont. 2. Sur un barrage. Vous avez la bonne réponse, alors dans 30 minutes à peine, vous allez peut-être décrocher 10 000 euros net d'impôts. Tout de suite, vous envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 73003 ou vous appelez le 3243. Tout le monde a sa chance, un téléspectateur ou une téléspectatrice, c'est-à-dire vous peut-être, va gagner 10 000 euros dans 30 minutes. Bonne chance. Alors, Najim et Charlotte, on a quitté ce magnifique lac du Mont-Cenis pour se retrouver ici, à Avrieux. Alors, le lac, vous l'avez vu de près, le barrage aussi, mais malheureusement, Benoît était trop loin de toi encore, hein, Najim, à la fin du chrono. C'est exactement ça. Je l'ai vu au loin, je pense, ou c'était peut-être un mirage, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais beaucoup trop loin de lui pour le rattraper dans les temps. C'était pas un mirage, c'était le vrai Benoît avec la vraie capsule, avec le vrai indice à l'intérieur. Charlotte, quoi qu'il arrive, t'aurais pas pu le trouver. Non, j'étais beaucoup trop loin pour le voir, j'étais de l'autre côté du barrage, à l'autre extrémité. Mais au moins, tu as découvert ce lac qui était sublime. Les amis, vous allez vous lancer dans l'énigme de la Rose des Vents, qui est très importante puisque c'est la dernière énigme avant le trésor. Pour la Rose des Vents, vous n'avez plus droit au carnet de route. En revanche, vous allez pouvoir vous aider des indices qui sont dans vos capsules. Vous en avez chacun une seule. Éloignez-vous et découvrez ce qu'elles contiennent. Alors, Charlotte. Je l'ouvre. Ton unique indice. C'est une photo. Une cage, peut-être. Une cage. Je crois que ce sont des barreaux. Ok, une cage avec des barreaux. Allez, cache ton indice, je vais aller voir celui de Najim. Alors, Najim, toi, ton indice. Alors, j'ai l'impression d'avoir un portrait d'un noble, peut-être d'un comte, d'un marquis, un lieutenant, en tout cas quelqu'un peut-être au XVIIIe siècle. Et je vois un petit peu aussi une forteresse en contrebas dans le portrait derrière lui. Ah, une forteresse, ouais. Ah oui, il fallait l'avoir. Hein. En effet, mais j'ai l'impression qu'en effet, c'est fortifié ce genre de choses. Eh bah écoute, garde bien cet indice, t'auras le temps de réfléchir. Très bien, merci. Allez, venez là tous les deux, on va découvrir l'énigme. Alors, juste avant de l'ouvrir, cette enveloppe qui est très importante, dites-moi comment vous vous sentez, Najim. Un poil stressé, mais bon, un indice chacun, donc balle au centre, et j'espère que la Rose des Vents balancera vers moi. C'est vrai que pour le suspense, c'est parfait. Et toi, Charlotte? Effectivement, il y aura du suspense. Je suis stressée aussi, mais non, Najim, je te la laisserai pas, la Rose des Vents. Elle sera pour moi. Et vous savez que vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est l'énigme la plus importante. On la découvre? C'est parti, la Rose des Vents de cette carte au trésor dans la vallée de la Maurienne. La voici. La Rose des Vents est au fond du trou. Soyez fort. Et attention, regardez ce pictogramme. C'est une énigme sans hélico dans laquelle vous allez vous lancer. C'est-à-dire qu'il va falloir vous débrouiller autrement, par vos propres moyens. Et c'est pour cette raison que vous avez vos cartes de jeu. Donc ne les perdez pas. Dernière chose,
Vous le savez, lors de la Rose des Vents, il n'y a pas de chrono. C'est une course l'un contre l'autre. Le premier ou la première qui met la main sur la rose remporte 1000 euros et sera le grand gagnant de ce soir, c'est-à-dire qu'il tentera l'épreuve du trésor pour remporter les 5000 euros. Je vous donne votre énigme à tous les deux. Charlotte, voilà la tienne. Bonne chance à toi. Najim, voilà la tienne également. Merci Cyril. Et comme dirait l'autre, que le ou la meilleure gagne. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top à la Rose des Vents. Allez-y. Ludo, t'es prêt pour la dernière? Allez. Allez, c'est parti. Allez, Olive, on perd pas de temps. Pendant qu'il se lance dans cette Rose des Vents, un mot sur cette fortification impressionnante que vous apercevez. Cet immense vaisseau de pierre accroché à la montagne fait partie d'un système défensif qu'on appelle la barrière de l'Essayon. Un ensemble de forts militaires construits pour verrouiller la vallée de l'Arc en cas d'invasion. Ces forts, on ne les doit pas à Vauban, mais à un certain Montalembert. Alors, si l'énigme de la Rose des Vents nous dit « Soyez fort », à votre avis, elle va nous emmener par où? Allez Olivier, j'ai récupéré mon énigme. Du coup, la Rose des Vents est au fond du trou, soyez fort. Par contre Olivier, va falloir courir parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les hélicos. Il va falloir qu'on trouve rapidement quelqu'un pour nous aider. Ok Ludo, donc je vais voir l'énigme de la Rose des Vents. La Rose des Vents est au fond du trou, soyez fort. Fort, F-O-R-T-S. Le seul endroit sur la carte où je vois F-O-R-T-S, c'est le fort de l'Essayon. Donc c'est vraiment l'endroit où j'ai envie d'aller directement et demander aux personnes si c'est la bonne direction. La Rose des Vents serait donc au fond du trou, la pauvre. Mais de quel trou on parle? Un gouffre? Alors c'est vrai qu'il y a des gorges tout près d'ici, creusées dans la roche, par l'Arc, la rivière, mais ce serait peut-être un peu trop facile, non? Surtout que notre énigme nous parle de fort. En tout cas, ils approchent tous les deux d'un premier fort, justement. Bon, on va directement essayer de chercher de l'information. Confirmer en tout cas ma première idée. Bonjour monsieur! Bonjour Charlotte de la carte au trésor. Oui. Je voudrais des informations s'il vous plaît, j'ai une énigme à trouver, c'est la Rose des Vents, c'est très important. La Rose des Vents est au fond du trou, soyez fort. Est-ce dans que ça corps, vous parle? Il y a un fort là. Pour aller voir à l'entrée, là, il y a quelqu'un qui se trouve fort. Là. J'ai un indice. Une prison. Oui, est-ce qu'il y aurait un fort qui serait représentatif pour ça? Mais il y a celui-là ou l'autre derrière là en fait. Allez à l'entrée, okay, là, merci. Il y a quelqu'un. Merci. Qui... Ok, merci beaucoup. On va à l'entrée. Alors les bleus et les rouges sont au coude à coude, regardez, ils sont tous en train de courir en direction du fort. J'ai le bleu qui est derrière moi. C'est pas facile. Et ça, je te confirme, Charlotte. Il est à tes trousses. Je vais rentrer dans le fort. Allez, je te laisse chercher de l'info. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Vous travaillez dans le fort? Oui, bonjour. Et les bleus doublés et rouges. Je cherche la Rose des Vents, s'il vous plaît. J'ai une énigme. Elle est au fond du trou, la Rose des Vents. Il faut être fort et j'ai une photo. La ça vous parle? La Rose des Vents, faut du trou. Oui. Soyez fort. Bah, on est au même endroit. Oui. Soyez fort. Et ça, les barreaux. Vous pouvez m'y emmener si ça vous dit quelque chose. Alors ici, là, il n'y en a pas forcément, oui. Tout pas les mêmes, mais ça peut, pourquoi pas, faire penser à une prison. Oui. Et la prison, c'est pas dans ce fort-là qu'il y en a une. S'il vous plaît, vite, vite. C'est le grand fort qu'elle est en face. D'accord, vous pouvez m'y emmener? Alors, je peux pas y emmener maintenant, mais il y a plusieurs moyens d'y aller. Lesquels? Alors, une tyrolienne. J'y vais. Là, tout de suite. Il faut aller tout de suite à la cabane. Ok. Vous avez entendu, on a indiqué à Charlotte qu'il y avait une prison quelque part dans le fort qui se trouve en face, mais vous allez voir qu'on peut pas y accéder si facilement à ce fort. Oh, c'est un mariage. Bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce qu'on peut vous embêter? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes du coin? Oui. Oui, bonjour. Najim pour bonjour. La carte au trésor. Est-ce que la Rose des Vents est au fond du trou? Ça vous dit quelque chose? Non, parce que est-ce peut-être qu'il y a... là, il y a un bas, il y a un trou peut-être. Faut aller voir. Ça s'appelle le trou du diable? Peut-être. Bon, ok, merci. Je vais sortir. J'essaie de demander s'il y avait quelque chose qui s'appelle le trou du diable. Je t'expliquerai. Regardez ce bâtiment qu'ils viennent de traverser. Ce fort en forme de fer à cheval. Dans le jargon militaire, on appelle ça une redoute. Un poste avancé qui protège une fortification plus importante. Construit sur la rive gauche de l'Arc, il contrôle la route du Mont-Cenis. Et son nom, c'est la redoute Marie-Thérèse, l'épouse de Victor Emmanuel de Savoie. D'ailleurs, chacun de ces forts de l'Essayon porte le nom d'un membre de la maison de Savoie. Bonjour, Najim pour la carte au trésor. Oui. La Rose des Vents est au fond du trou, est-ce que ça vous parle? Fond oui. Du trou, oui, oui trou, d'accord, un trou, ok. Entre deux forts, est-ce que le trou du diable, ça vous parle? Trou du diable, non, il n'y a pas mais de trou y a un du trou diable à loin. Ici. Un trou, alors non, il y a les gorges qui sont là, mais ouais. C'est pas forcément c'est un trou. C'est juste où, c'est là-bas là? C'est les grandes gorges, oui. Ok, merci. Alors il y a le fond du diable, il y a le chemin. Merci beaucoup.
Allez. Alors ils ont tous les deux compris qu'il y avait d'autres forts à proximité, mais pour accéder aux autres forts, il va falloir franchir l'arc. Ils ont trois options, nos candidats. Soit ils peuvent trouver une voiture, mais faire tout le tour des gorges, ou alors ils peuvent emprunter une passerelle métallique qu'on appelle le pont du diable, mais qui est très longue, et enfin une tyrolienne. En théorie, c'est le moyen le plus rapide, mais ils vont devoir s'équiper pour faire la traversée en toute sécurité, et ça, mine de rien, ça peut leur faire perdre du temps. Charlotte pour Cyril. Oui, oui, Cyril. Qu'est-ce que tu as eu comme info, Charlotte? Je vais faire de la tyrolienne, Cyril. Mais pourquoi tu vas faire de la tyrolienne? Pour rejoindre le fort dans lequel il y a une prison. Alors pourquoi une prison? Parce que sur mon indice, j'avais la photo des barreaux de prison. Bonjour, monsieur. Je vais prendre la tyrolienne, s'il vous plaît. Ah, oui, c'est déjà ce qu'on m'a dit. Charlotte, elle serait où, cette prison? Alors, cette prison, elle serait dans l'autre fort qui est juste à côté. Excuse-moi, Cyril, je suis en train de marcher dans les escaliers. Là, je suis le monsieur qui doit être un professeur d'acrobranche. D'accord. Parce que je suis dans un parcours d'acrobranche. Et il t'emmène où, ce monsieur? Il m'emmène faire de la tyrolienne. Alors, attends, remettons les choses dans l'ordre. Tu as une photo indice avec des barreaux. Oui. Donc, tu te dis que ça te fait penser à une prison, c'est exactement, ça? Exactement, un cachot. Et quelqu'un t'a indiqué qu'il y avait une prison quelque part dans le coin? Oui, absolument. Elle serait de l'autre côté, dans le fort qui est en face de celui duquel on est. Ok, bah je te laisse t'équiper pour prendre cette tyrolienne et on se repart tout à l'heure. Merci, Cyril. Je vais vous parler un peu de ces forts de l'Essayon que nos deux candidats s'apprêtent à prendre d'assaut. Au début du 19e siècle, les États de la Maison de Savoie, qui comprenaient aussi la Sardaigne, le Piémont et le comté de Nice, veulent verrouiller la vallée de la Maurienne, un lieu de passage fréquent des armées de Napoléon. Victor Emmanuel de Savoie fait donc construire la barrière de l'Essayon. Cinq forts construits en escalier, à portée de canon les uns des autres. Ce qui signifie qu'en cas d'invasion de l'un d'eux, on pouvait donc toujours tirer sur l'ennemi. Malin mais totalement inutile puisque tout ce dispositif sera achevé en 1833, c'est-à-dire plus de 10 ans après la mort de Napoléon. T'as personne? Est-ce qu'il y a des gens là-bas? Ah là-bas peut-être. Excusez-moi! Ah là, on passe là, on va en. Ok. Bonjour messieurs, nagez pour la carte au trésor. La route est au fond du trou, est-ce que ça vous parle, le fond du trou? Est-ce qu'il y a un trou ici ou une sorte de gorge? Quelque chose entre deux forts? Ok, on peut y aller facilement? Oui. Ok, on peut, vous pouvez m'emmener ou alors j'y vais tout seul? C'est facile. Gorge, tout ça. Ok, d'accord. Et comment on peut y aller? Comment on peut aller au fond du trou? Au fond de cette gorge? Ouais. Au fond de la gorge? Ah non, là c'est compliqué. Tu peux passer au-dessus par la tyrolienne. Merci beaucoup. Je vais regarder vite. Ah, regarde, on passe, ok. Je la prends, je vais la prendre. Ok monsieur, idem, j'aimerais bien prendre cette tyrolienne finalement. Charlotte pour Cyril. Oui Cyril. Et alors tu vas faire de la tyrolienne? Oui c'est ça, je vais faire de la tyrolienne. Pour traverser la vallée? Oui. Mais elle est à combien de mètres cette tyrolienne? La tyrolienne elle est à combien de mètres monsieur s'il vous plaît? De haut? Oui. 150 mètres? 150 mètres, oh, Cyril. Oh bah ça va. 150 mètres. Mais t'as pas le vertige? Non, pas cette fois. Oh la vache. C'est doux hein. C'est doux monsieur me dit. C'est pas violent. C'est bien, ça va nous rassurer. Oui. Allez, pendant que tu t'équipes, je vais aller voir les bleus. Najim pour Cyril. Oui Cyril. Tu en es où Najim? Je suis en train de grimper pour prendre une tyrolienne. Ah toi aussi tu veux prendre une tyrolienne? Oui ça m'a l'air pas mal. Eh ben, je te laisse t'équiper pour prendre cette tyrolienne. Comme les rouges sont arrivés en premier, ce sont les rouges qui vont passer en premier. Ah c'est les rouges qui passent en premier, d'accord. Eh ben oui, et alors ce qui est rigolo c'est que vos cadreurs vont prendre la même tyrolienne que vous. Vous allez les faire passer avant vous, Olivier et Ludo. Et puis après ce sera la grande aventure. Exactement Cyril. Allez, pendant toute cette équipe, on va décrypter ensemble les indices de nos candidats. Le premier indice, celui de Najim, ce personnage historique, c'est Victor Emmanuel Ier de Savoie. Il a été roi de Sardaigne au début du 19e siècle. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Eh bien, c'est lui qui a construit le fort où est cachée la Rose des Vents. Le deuxième indice, celui de Charlotte, on dirait des barreaux de prison. Et si je vous dis que dans la zone où il se trouve, il y a eu un ancien pénitencier, est-ce que ça aurait pas un rapport avec notre trou de l'énigme? Oh. L'énigme, c'est la Rose des Vents est au fond du trou. Est-ce que le trou, ça vous parle ici? Est-ce qu'il y a un trou, quelque chose? Il y a la, gorge là en bas. La gorge. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'appelle le trou? Est-ce que ça vous parle? Non. Le trou. Non, c'est en bas. Non. C'est pas un endroit particulier? Après la tyrolienne, le pont au retour. Le pont au retour. Ouais. Ça s'appelle le trou. Je sais pas. Ouais, le pont de diable. On peut y aller aussi. On peut faire la tyrolienne et après pour revenir ici, il y a un pont. Ok, mais est-ce qu'on le peut y aller? Le trou, ça dit quelque chose? Des trous, il y en a partout. Non, mais est-ce qu'il y a un trou particulièrement en dessous ici, entre les deux forts? J'ai une photo aussi, un disque. Regardez ça, c'est cette photo-là, de ce monsieur-là. Est-ce que ça vous parle, ce monsieur? Oui, je pense que ça doit être le roi Victor Emmanuel. Et il y a un trou, il y a le trou en dessous? Je sais pas, vous cherchez peut-être dans le fort, peut-être dans le fort. Dans le fort, et le fort, je peux y accéder par là? Oui, là, okay. Là très bien. Très bien, merci. Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Alors, évidemment, Olivier, ton cadreur, va traverser avant toi, parce qu'il faut bien qu'il traverse, Olivier. Oui. Allez, encourage-le, ton cadreur.
Allez Olivier. Allez Olivier. Allez, allez. Allez, cadreur numéro 1 sur la tyrolienne. Oh là là, la tyrolienne, c'est rien. Hey, tu t'en souviendras de ta soirée, Charlotte? Bah, venez dans cette accrobranche, il y aura des sensations, c'est sûr. Est-ce que t'as déjà fait du saut à l'élastique ou quelque chose comme non, ça? Non, jamais. Eh bien là, tu vas te jeter dans le vide. Tu as l'arc et la rivière qui coulent sous tes pieds. Eh bien, tu vas la survoler à plus de 150 mètres. Je vais en profiter, Cyril, à fond. Ah bah ça, j'espère. Je sens que tu vas crier, comme pour l'énigme 1. Je vais me lancer, Cyril. Allez, c'est parti! J'y vais, Cyril, au secours! Eh ben voilà! Ah, c'est bon! C'est magnifique! Regardez au-dessus de l'arc, la candidate rouge qui passe de l'autre côté de la vallée. Tu la veux, cette rose des vents, Charlotte? Oui, je la veux, Cyril! Est-ce que tu pensais vivre des aventures aussi incroyables non, ce soir? Pas du tout! Ne loupe pas l'arrivée, hein! Oui! Viens, et ben voilà, ça y est. Et une candidate rouge de l'autre côté. Et après les rouges, c'est au tour des bleus. Voici Ludo, le cadreur des bleus, qui est en train de traverser, regardez, au-dessus de l'arc. Najim pour Cyril. Oui, Cyril. Tu es au bord du gouffre. Oui, comme je suis au bord du gouffre. J'espère que c'est le bon, j'espère que j'arriverai. Est-ce que tu es prêt à t'élancer? Oui, je suis prêt. Les rouges sont passés avant toi, ça veut dire que tu ne crains rien. Najim, c'est quand tu veux, je t'observe depuis les airs. Allez, go! Allez, c'est parti pour les bleus. Et après Charlotte, voici Najim qui traverse l'arc, le gouffre. Regardez, 150 mètres sous tes pieds, Najim. Est-ce que tu avais déjà fait de la tyrolienne? Oui, j'ai déjà fait la tyrolienne. Ah, bah alors t'es un peu comme chez toi. C'est un peu ça, c'est magnifique. Et tu vas super vite en plus, hein? Ah, j'essaie. Hashtag la carte au trésor, les amis, pour commenter l'aventure de Najim et l'aventure de Charlotte. Qui va trouver la rose des vents en premier ce soir? Est-ce que ce sera une victoire des bleus ou une victoire des rouges, à votre avis? Ça y est, Najim, tu es arrivé? Ouais. Allez, maintenant, il va falloir te déséquiper. Ouais. Et partir à l'assaut de ces forts de l'Essayon. Est-ce que tu sais quel fort tu dois rejoindre? Oui, je pense que c'est le fort Victor Emmanuel. Victor Emmanuel, que tu as en photo. Exactement. Ça veut dire qu'il y aurait un fort qui porte ce nom. Exactement. Alors, je compte sur toi pour le trouver très très vite parce que tu sais que la rouge, elle a de l'avance. Ouais. Elle est déjà en train de cavaler. Mais attention, j'ai l'impression qu'elle a pas pris un très bon chemin. Ça veut dire que rien n'est joué. Allez, go, go, go. Allez, les bleus. Allez, c'est parti. Allez, je peux vous le dire maintenant, le trou de notre énigme, c'est bien une prison. Et parmi les 5 forts de l'Essayon, un seul et unique possédait une prison, un pénitencier. Ils vont donc devoir retrouver cette prison pour mettre la main sur la Rose des Vents. Oh là là, non, mais c'est pas possible. Je crois que je suis en train de m'apercevoir que je suis en train de descendre alors qu'il faut que je monte. Punaise, Olivier, je crois qu'on s'est trompé. Bon, bah super, bah je remonte. Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Je t'ai vu rebrousser chemin, Charlotte. Oh, je suis essoufflé pour toi, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es trompé de route? Voilà, je me suis trompé de route, Cyril. Aïe, et pendant ce temps, le bleu, bah, il est passé avec la tyrolienne. Bah oui, et il va passer devant toi. Oui, je fais tout ce que je peux pour y arriver. Aïe, aïe, aïe. Essaie de prendre des infos, Charlotte, pour pas courir pour rien, d'accord? Oui, Cyril. Allez, je te laisse respirer. Essaie de trouver quelqu'un. Merci, Cyril. Ouh. Allez, Olivier. Bon, Victor Emmanuel, il est là. À gauche. 215 mètres. On y go. Allez, go. C'est bon pour toi, Bino? On marche, hein? Najim pour Cyril. Oui, Cyril. Najim, tu as dépassé les rouges. Oui, les rouges sont partis en bas, j'ai l'impression. Eh oui, alors, et pourtant, elle rebrousse chemin, Charlotte. Ça veut dire que tu lui es passé devant. Maintenant, est-ce que tu sais où il est, ce fort Victor Emmanuel, dont tu me parlais? Alors, je pense que c'est le fort en face. Je vais confirmer ça en croisant une personne. Est-ce que tu sais précisément le fort que tu dois rejoindre? Parce que là, moi, j'en vois plein en escalier de fort. Pour l'instant, je suis sur la route du fort Victor Emmanuel, il y avait un panneau. D'accord. Donc je le suis. Une fois arrivé en haut, je vais demander l'information si je vois plusieurs forts. Et ensuite, j'espère trouver un trou. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais j'espère vite le trouver. Effectivement, l'énigme nous dit la Rose des Vents est au fond du trou. Exact. Il faut comprendre de quel trou il s'agit. Exactement. Pour trouver cette fameuse Rose des Vents. Pour l'instant, j'ai un peu d'avance. Ludo, tu suis toujours? Ouais. Allez, c'est parti. Allez, il est là, Ludo. Ouais. Il est là, papa. Il est là, il est là. Allez, je te laisse poursuivre ton cap. Merci. Eh oui, elle est difficile cette ascension, il faut dire que ça se mérite l'accès au fort Victor Emmanuel, qui est le plus vaste de la barrière de l'Essayon, la clé de voûte du système défensif qui avait été imaginé. Jusqu'à 1500 hommes pouvaient vivre ici. Il est construit à flanc de falaise sur 8 niveaux, rien que ça. À chaque étage correspond une fonction. Les canons sont installés en bas, puis on trouve les casernements, une place d'armes, le bâtiment du gouverneur, une poudrière, un hôpital, une chapelle, une boulangerie et donc le pénitencier, celui qui nous
nous intéresse et celui dans lequel est enfermée la Rose des Vents. Attention les cailloux, hein. Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Je te vois grimper. C'est difficile, hein, cette carte au trésor ce soir. Je pense que je me dirige sur le même fort que Najim. J'espère que c'est le bon fort, surtout. Vous avez un indice chacun. Toi, je te rappelle que tu as des barreaux. À ton avis, si l'énigme de la Rose des Vents te dit que la Rose des Vents est au fond du trou. C'est au cachot. Ce serait dans le cachot. Il y aurait donc un cachot dans l'un des forts. Oui. Et tu penses que c'est le fort où est Najim ? Je sais pas, en tout cas, c'est là où je vais. Allez, je te laisse monter. Je te laisse monter le plus vite possible. Courage, Charlotte. Merci, Cyril. On a un peu d'avance. Allez. Garde le rythme. Super, ça. Bonjour, monsieur Najim, pour la carte au trésor. Bienvenue à Oussoa. Est-ce que ça est le fort Emmanuel ? Victor Emmanuel ? Complètement. Est-ce qu'il y a un trou, une bouche de canon, quelque chose de particulier par rapport à un trou dans le fort Victor Emmanuel ? Alors, il y a plein de trous, hein. Vous avez plein de bouches à canon tout autour. Une particulière ou pas ? Alors, non, pas de choses particulières. Et les bouches à canon se trouvent. Voilà, alors toutes les bouches à canon, c'est tous les trous que vous voyez là. D'accord, est au fond du trou. Ok, je vais essayer de me renseigner à l'intérieur. Merci beaucoup, monsieur. Au fond du trou. Au fond du trou. J'essaie de regarder par l'extérieur. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Non, gauche. Je sais pas. On continue par là et puis on va essayer d'aller vers la dernière au fond. Continue. Il n'y avait rien. Attention les marches. J'espère pas me planter de direction. On va essayer. Regardez, les rouges arrivent exactement au même endroit que les bleus et Charlotte a donc rencontré le même monsieur. Bonjour monsieur. Vous pouvez peut-être m'aider ? Bonjour, bienvenue à Oussoa. Merci. Je suis ravie de vous rencontrer. Je suis Charlotte de la carte au trésor. Je viens visiter votre beau château. Super. Je cherche ma Rose des Vents, s'il vous plaît. Vous cherchez la Rose des Vents. Elle est au fond du trou. Au fond du trou. Et j'ai une photo. J'ai pensé à un cachot. Vous pouvez peut-être m'emmener directement. Ah, alors est-ce qu'il faut que je vous accompagne ou est-ce qu'il faut que je vous indique ? Accompagnez-moi, monsieur. Je peux aller avec vous alors. Je vous en prie. Ce sera au sommet là-haut. Ah, d'accord. C'est vers le pénitencier. Charlotte pour Cyril. Bon, ben voilà. Oui, Cyril. Il y a donc un pénitencier. Oui. Najim n'a pas trouvé la Rose des Vents. Il est dans le fort. Charlotte, rien n'est joué. D'accord. Charlotte, en tout cas, tu as rattrapé ton retard puisque vous êtes dans le même fort avec Najim. Pour l'instant, Najim n'a pas trouvé la Rose des Vents, alors à toi de jouer la carte de ton indice. Merci, Cyril. Ce fort, Victor Emmanuel, il est construit à la verticale, c'est-à-dire qu'ici, il faut avoir de bonnes jambes, surtout parce que la prison se trouve tout en haut, au sommet. Dans ce pénitencier, les conditions de vie étaient très difficiles en raison des hivers interminables. Le roi de Sardaigne y enfermait les opposants qui conspiraient contre lui et pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistants ont également été enfermés ici par les forces italiennes. Là-bas, c'est vitré. Ah ! Ah ! Là-bas, je vois un canon, je vais essayer. Toujours rien. Najim pour Cyril. Oui, Cyril. Alors, qu'est-ce que tu as vu à l'intérieur du fort ? Pour l'instant, je vois des bouches à canon et des canons. Mais je ne trouve pas encore de Rose des Vents. Ce fort, il est assez grand, hein, le fort Victor Emmanuel Ier. Ouais, totalement. Alors, il y a une partie basse, il y a une partie haute. Regarde bien partout autour de toi, Najim. Je te rappelle qu'on te dit que la Rose des Vents est au fond du trou. Soyez fort. Là, vous êtes fort. Et les rouges et les bleus, puisque vous avez sauté dans le vide pour retrouver la tyrolienne. Ouais, cette Rose des Vents, faut la voir, là. Et Najim, attention, puisque les rouges arrivent. Ouais, c'est par là. Je remonte. Alors, Najim, visiblement, n'a pas choisi le bon endroit. Il va devoir remonter. Et pendant ce temps-là, Charlotte lui est passée devant. Elle continue de grimper. Charlotte pour Cyril. Oui, Cyril. Tu continues ton ascension. Oui. Ça n'en finit jamais de grimper, non. Ce fort. Il n'y a pas d'ascenseur, figure-toi. Mais tu vois, au bout de ce cauchemar, il y aura peut-être le bonheur d'avoir une Rose des Vents. Oui. Alors, Najim, il est dans le même fort que toi, Charlotte. Maintenant, je ne te dis pas l'information qu'il a. Je ne sais pas si Najim, il a compris que la Rose des Vents était dans un cachot. Oui. Toi, visiblement, tu l'as compris. Oui. Est-ce qu'on t'a indiqué précisément où était le cachot ? En haut du château, dans le pénitencier, Cyril. Ok, donc il faut aller vraiment tout en haut. Oui. Donc tu grimpes avec ce monsieur. Oui. Est-ce qu'il peut te porter sur ses épaules, peut-être ? Vous pouvez me porter sur vos épaules ? Oh, vraiment ? Je peux vous aider. Vraiment. Elle lui demande. Je suis pas légère, Cyril. Ce serait pas sympa pour vous. Allez Charlotte, courage. Merci Cyril. Je ne sais toujours pas qui est du bleu ou du rouge va la trouver en premier, mais en tout cas, vous aurez mérité votre Rose des Vents l'un ou l'autre. Ah. Najim pour Cyril. Oui Cyril. Alors, qu'est-ce que tu as vu dans le fort ? Là, je vois des puits au fond du trou. Oui. J'essaie de trouver la Rose des Vents. Mais au fond du trou de quoi ? Du puits. Du puits ? Pour l'instant. Il y a un puits. Il est, ouais, il met des grillagés.
Ah, alors s'il est grillagé, ça veut dire que tu peux pas descendre. Exactement. Alors c'est peut-être pas une bonne piste. Non, peut-être pas. Allez, je continue. Qui va trouver la rose des vents en premier ce soir? Allez, Charlotte et Najim sont à quelques mètres tous les deux. En tout cas, regardez effectivement tous ces forts de l'Essayon, magnifiques, bercés par le soleil. Ici, qui domine l'arc, la rivière qui coule dans ce gouffre qu'ils ont survolé il y a quelques instants avec la tyrolienne. Qui va trouver la rose des vents en premier? Najim est arrivé bien avant Charlotte. Malheureusement, il a du mal à comprendre de quel trou il s'agit. Alors que Charlotte, elle approche de la prison, accompagnée par son guide. La prison, c'est la dernière barre que vous voyez, regardez, de ce fort, la barre la plus haute. Ça se mérite d'aller dans le cachot, en fait, hein. Y'a rien ici. Allez, je sors. C'est un labyrinthe. Allez, faut la trouver. Allez, continue. Allez, go. Regardez où ils se trouvent l'un et l'autre. Qui va trouver la rose des vents en premier? Bonjour monsieur, Najim pour la carte trésor. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait penser à un trou là-haut, s'il vous plaît? Un trou? Oui. Oui. Oui, c'est quoi? Un genre de galerie. Une galerie, d'accord, c'est facile à descendre. Je la trouve facilement. Venez avec moi. Venez avec moi monsieur. Je peux pas la rater, mais venez avec moi monsieur. Oui, à gauche, à droite. Charlotte et Najim pour Cyril. Oui Cyril. Est-ce que vous la voyez cette rose des vents? Pas encore. Non. Je vais essayer de l'autre côté. Vous n'êtes pas au même endroit tous les deux. Allez, ça y est, Najim a trouvé quelqu'un aussi pour l'accompagner, tout comme Charlotte. Qui va trouver la rose des vents en premier? Alors Charlotte, est-ce que tu vois quelque chose? Non. Aïe. Est-ce que c'est le bon cachot? Est-ce qu'il y en a plusieurs peut-être? C'est un truc de fou cette rose des vents. Les bleus et les rouges sont à quelques mètres à peine. Personne ne trouve la rose. Najim pour Cyril. Oui Cyril. Est-ce que tu sais où tu dois aller? Là je vais vers une galerie qui a été un peu engloutie, mais il y a une sorte de trou par là encore monsieur? Oui. Ok. D'accord. Donc j'espère que c'est le bon trou. Écoute, je te laisse progresser Najim. Allons voir les rouges. Ok, encore. Charlotte pour Cyril. Oui. Est-ce qu'il est grand ce cachot Charlotte? Il est grand, je l'ai Cyril. Tu l'as? Je peux pas l'attraper. Tu l'as trouvé? Oui. Mais je peux pas l'attraper. Ah, il faut me la montrer. Monsieur, faites-moi une courte échelle, pitié. Allez, tu vas réussir à l'attraper. Allez Charlotte, j'entends que t'es épuisée. Et tu y es. Ça y est, montre-la-moi par la fenêtre. Bravo. Victoire des rouges ce soir. Charlotte, j'ai l'impression que t'es en prison, ma pauvre. Je vois ton bras dépasser, je te vois pas tout à fait. Mais en tout cas, je vois bien un bras rouge avec la rose des vents au bout. C'est toi qui as gagné. Najim est en train d'arriver exactement au même endroit que toi. On va se connecter avec Najim tout de suite. Najim pour Cyril. Oui Cyril. Eh bien tu as vu la rose des vents dépasser de la fenêtre? Exactement, je l'ai vu. En fait, ce que tu n'as pas bien décrypté dans cette énigme Najim, ouais, c'était la rose des vents est au fond du trou. Ça voulait dire qu'elle a été mise au trou, elle a été mise en prison, ah, tu vois. En prison. Ah, je n'avais pas cette information. En fait, au sommet de ces forts de l'Essayon, il y avait un pénitencier et c'est à l'intérieur de cette prison qu'était cachée la rose ce soir. Charlotte pour Cyril. Oui Cyril. Ça y est, tu es ressorti de la prison et regarde, tu rejoins Najim. Bravo à tous les deux les amis, je vous applaudis pour cet exploit que vous avez réalisé. Super ça, super. Bravo Charlotte. Charlotte, tu as déjà remporté 1000 euros ce soir grâce à ta rose des vents et tu vas tenter l'épreuve du trésor dans un instant pour remporter peut-être les 5000 euros. Oui. J'entends des larmes, mais de bonheur j'espère. Allez, tu peux être fière de toi Charlotte. Allez, en tout cas, on va se retrouver au sol pour débriefer cette rose des vents. A tout de suite les amis. Et juste avant l'épreuve du trésor, les amis, voici votre toute dernière chance de décrocher ce soir les 10 000 euros que nous avons mis en jeu pour l'un ou l'une d'entre vous. 10 000 euros à gagner dans 5 minutes à peine et qui seront versés dès ce soir sur votre compte en banque. Voici la question à laquelle il faut répondre. Dans l'émission de ce soir, nous avons survolé la vallée 1 de la Tarentaise, 2 de la Maurienne. Le 1 ou le 2, tout de suite, vous envoyez votre réponse par SMS au 73003 ou vous appelez le 3243 par téléphone. Un téléspectateur ou une téléspectatrice va décrocher 10 000 euros dans 5 minutes à peine. Du fond du cœur, bonne chance à tous.
Najim et Charlotte, nous voici donc au pied du Fort Victor Emmanuel que vous avez visité de long en large. Bravo Charlotte pour cette victoire. Est-ce que ça va mieux? Oui Cyril, j'ai repris mon souffle, j'ai vraiment souffert pour l'avoir et je l'ai eu. Là, tu t'es surpassé. Oui. Et bravo aussi à toi, Najim. Hein, franchement, Cyril. Parce que, un, il fallait avoir le cran de se jeter dans le vide comme ça avec cette totalement. Tyrolienne. Vous l'avez fait tous les deux. Oui. Najim, malheureusement, tu n'as pas compris que c'était la prison, le exactement. Trou dans lequel était enfermée la Rose des Vents. Mais tu as vécu une aventure exceptionnelle ce soir. Je pense que quand on fait la carte au trésor, forcément, on vit une aventure exceptionnelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je félicite encore Charlotte pour sa victoire. Et je suis sûr qu'elle va remporter le trésor à la fin. Quel est le souvenir qui va rester gravé dans ta tête? Honnêtement, je pense que la traversée de la vallée vers Bonneval, on avait des paysages grandioses. Et une fondue savoyarde à l'arrivée en plus, pour te féliciter de tous tes efforts. Est-ce que Charlotte, il te reste malgré tout encore un peu de souffle et encore un peu d'énergie pour le trésor? Oui, oui, oui. Tu as déjà gagné 1000 euros grâce à la Rose des Vents, peut-être 5000 euros dans un instant si tu réussis l'épreuve du trésor. Mais d'abord, Najim, merci mille fois d'avoir merci joué avec encore, nous Cyril. Ce soir, ici, dans la vallée de la Maurienne. Et tu n'as pas fait tout ça pour rien. Voici ton cadeau. Venez vous redécouvrir à la Toussure Les Cibelles cet été lors d'un week-end famille pour 4 personnes. Logé à 1800 mètres d'altitude, profitez de votre séjour pour explorer les montagnes. Faites le plein d'activités et de sensations à la Toussure Les Cibelles. Alors Charlotte, bienvenue à Montvernier, sur un site très étonnant qui s'appelle les Lacets de Montvernier, bien connu des amateurs du Tour de France. Eh bien c'est ici que tu vas tenter de décrocher le trésor ce soir. Il te reste de la force? Un petit peu. Depuis le début de l'émission, t'as pas arrêté de grimper. On se souvient de l'ascension du col d'Arve, de la très sportive ascension du fort à l'instant. Oui. Eh bien, ça n'est pas fini. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais pour décrocher le trésor, il va falloir encore grimper et encore se dépasser. Encore grimper, toujours grimper. Je te rappelle que tu as déjà gagné 1000 euros grâce à ta Rose des Vents. Si tu parviens à ouvrir le coffre au trésor avant la fin du chrono, tu remporteras les 5000 euros. Je t'explique la règle. Tu vas commencer par chausser ces skis à roulettes. Je sais pas si tu en as déjà fait. Non, jamais. C'est la version estivale du ski de fond. Et tu vas te lancer dans un parcours d'obstacles de 300 mètres de long dans ces lacets. Sur ton chemin, tu vas croiser des ballots de paille qu'il va falloir enjamber, puis ce filet dont tu devras suivre la trajectoire, et enfin une bonne quinzaine de bidons de lait qu'il va falloir traverser avant de rejoindre le coffre au trésor. Ah oui. Et pour faire tout ce parcours en pente, évidemment, sinon c'est pas rigolo, non. Tu auras 2 minutes 30. Ok. Je vais te laisser t'équiper, tu vas aller au départ et moi je t'attendrai à l'arrivée. Bonne chance Charlotte. Merci. C'est parti pour le trésor. Ça y est Charlotte, tu es équipée? Oui, je suis équipée Cyril, c'est bon. Est-ce que tu te sens à l'aise avec ces skis? Pas vraiment, non. Ah bah c'est ce qu'on va voir tout de suite. Moi je suis sûr que tu vas très bien te débrouiller. Regarde, je suis juste au-dessus de toi. Tu es prête? Je suis prête Cyril, prête. Attention, 3, 2, 1, top chrono pour le trésor. Allez Charlotte. Ben, Cyril, ça va? C'est pas facile. Voilà le premier virage, le premier lacet que tu es en train de grimper avec tes skis roues. Ah. 2 minutes 15. J'arrive pas à fléchir, c'est dur. Eh oui, c'est difficile. Hein. Mais au moins, ces skis à roulettes, ils ont un système anti-recul, oui, ce qui te permet un peu de prendre appui. Au total, il faut savoir qu'il y a 18 lacets sur cette route spectaculaire qui permet de franchir 400 mètres de dénivelé sur plus de 3,4 km de long, ce qui fait une pente à 8,2%. Je l'ai mesuré moi-même. Voilà, Charlotte arrive au premier obstacle, les ballots de foin, impossible de les déplacer évidemment, donc il faut les enjamber. C'est pas facile. 1 minute 45 encore. Ça n'a pas l'air simple, Charlotte. Ne tombe pas. Allez, Charlotte, on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Et ça y est, maintenant que tu as passé les ballots de paille, c'est l'obstacle du filet qu'il va falloir rejoindre. 1 minute 30, Charlotte. Le deuxième obstacle, c'est ce filet de sécurité. Regardez, comme on trouve dans les stations de ski, il va falloir suivre la trajectoire que ce filet impose. Le problème, c'est que ça oblige Charlotte à emprunter la trajectoire la plus difficile du virage. Je t'entends plus. Je suis super concentrée, Cyril, j'arrive au premier virage. 1 minute 10. Vite! Plus qu'une minute, Charlotte, c'est la dernière ligne droite. Il faut tout donner, là. Allez, Charlotte. Je vais t'attendre au coffre. Maintenant, il va falloir traverser les 15 bidons de lait que tu aperçois. Allez, voilà le dernier obstacle. Une quinzaine de bidons de lait à traverser. Évidemment, sans se cogner, sans tomber. Dans le jargon des fromagers, on appelle ça des bouillalets. Allez, faut faire ton slalom, c'est ta dernière ligne droite, Charlotte, allez! On est dans les dernières secondes, Charlotte!
15 secondes. 8. 10. 9. 8. 7. 1. 6. 5. 4. 3. Attends, je vais t'aider. 2. 1. C'est perdu, malheureusement, Charlotte. Ça va, tu t'es pas fait mal? Non, Cyril, ça va, merci. Charlotte, t'as tout donné, vraiment, oui, jusqu'au donné, bout, Cyril. Tu le voulais, ce trésor. Alors attends, je vais t'enlever ton casque, ça va être plus pratique. Je suis sûr que ta nièce et ta sœur, tout le monde va être très fier oui, de toi. Oui, c'est sûr, elle me regarde. Bon, la bonne nouvelle, c'est que t'as quand même gagné 1000 euros grâce à ta rose des vents. Déjà, ça va faire un petit quelque chose pour aller au Canada, voilà, pour payer le billet d'avion. Rappelle-nous comment elles s'appellent, tes nièces et ta sœur. Rosalie, Pénélope et Amanda. Eh ben on leur fait des gros bisous à toutes. C'est la première carte au trésor qu'on finit par terre, tu vois. Mais écoute, on est plutôt pas mal. Quel est le souvenir que tu vas garder de ton aventure? Il y en a tellement, tous. Bon, celui-là, j'avoue, il était quand même cool. Je suis déçue d'avoir perdu, mais... Tu en referas du ski à roulette? Vous m'avez bien eu, non. Non, jamais. Jamais. Bon, faut jamais dire jamais, cela dit. En tout cas, vous aussi, à la maison, venez vivre des aventures incroyables à bord de l'hélico bleu et d'hélico rouge. Vous pouvez vous inscrire tout de suite par mail casting@carteautresor.com. Charlotte, on va remercier tous les habitants de la Savoie, de la vallée de la Maurienne qui t'ont aidé, qui ont aidé Najim aussi pendant toute votre aventure. Merci à tous, j'espère que vous avez passé une très très belle soirée depuis chez vous et on se retrouve très vite pour survoler un tout nouveau département. À bientôt pour un nouvel épisode de la carte au trésor.